Alléluia. Acclame Jésus. Acclamons l'agneau qui est souverain. Acclamons l'agneau qui est souverain. L'agneau qui est couronné de gloire. Acclame l'agneau, acclame l'agneau, acclame l'agneau. Alléluia. Nous acclamons l'agneau. Nous élevons l'agneau. Nous glorifions l'agneau. Car il est élevé. Il est souverain. Que le nom de Jésus soit glorifié. À nouveau, shalom. 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 Je suis votre bien-aimé, le docteur Silas, en compagnie du docteur Daniel et du serviteur Ezra, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, pour partager vraiment le message que le Saint-Esprit communique à l'Église. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, serviteur Ezra, vous allez prier et introduire, et vous allez, après la prière, vous allez présenter un bref aperçu sur la problématique du sujet. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Prions. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, le Dieu grand et redoutable. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce moment. Tu nous as réunis en ce lieu pour nous fédifier, pour s'exhorter les uns et les autres. Seigneur, je prie, papa, que tu viennes et tu prennes totalement contrôle de ce moment. Papa, nous voulons, éternel mon Dieu, que tu sois au milieu de nous, nous voulons que tu nous enseignes, que tu nous édifies. Seigneur, je te prie également de préparer les cœurs de tous ceux qui écoutent, tous ceux qui sont connectés et écoutent cet enseignement. Je te prie de les édifier, je te prie, éternel mon Dieu, de les nourrir, de nourrir leur esprit, éternel mon Dieu, par ta parole, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, grand Dieu, nous t'invitons, nous voulons, mon Dieu, mon roi, que tu nous diriges en toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes là pour un moment d'enseignement. Voilà un moment de méditation. Un enseignement qui porte sur, comme thème, le mystère du couronnement du Fils de l'homme selon les dispensations. Donc, je vais poser la question au serviteur de Dieu, Dr Silas. Dr Silas, vous nous avez parlé de ce thème. Qui porte sur le mystère du couronnement du Fils de l'homme selon les dispensations. Déjà, j'aimerais savoir, c'est quoi, qu'est-ce qu'une dispensation? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, le thème est le mystère du couronnement du Fils de l'homme selon les dispensations. Et nous ne pouvons pas aborder ce thème sans comprendre ce qu'est une dispensation, puisque la fin, on a dit selon les dispensations. Donc, nous allons révéler le mystère du couronnement du Fils de l'homme par rapport à l'ordre chronologique des dispensations. Une dispensation, c'est un temps, une période, un moment au cours duquel Dieu opère une œuvre liée à sa science, à sa volonté, depuis des temps passés au présent, du présent au futur. Donc, une dispensation, c'est un lâche-temps, un temps vraiment que Dieu se dispose lui-même afin d'accomplir une œuvre certaine, soit pour la création, soit pour des préfigurations, soit pour des prophéties, soit pour l'accomplissement, soit pour le salut, soit pour l'œuvre du Saint-Esprit, soit pour l'enlèvement, soit pour la glorification, soit pour la gloire de Dieu dans le millénium, soit pour le jugement et enfin l'éternité où toutes les dispensations ont démarré. Donc les dispensations en réalité sont des espaces de temps dans lesquels Dieu opère une œuvre. Dieu détermine une prophétie qui sort de son trône dans l'invisible afin de le mettre en accomplissement selon son dessein. Alléluia, gloire à Jésus. L'explication sur ce que c'est qu'une dispensation. Voilà. Donc, Dr Silas, cependant, vous parlez du mystère du couronnement du Fils de l'homme selon les dispensations. Et cependant, c'est quoi le mystère du couronnement du Fils de l'homme? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, mais nous ne pouvons pas parler du couronnement sans parler du mystère. C'est quoi un mystère? Nous savons tous qu'un mystère, c'est un secret. D'abord, mystère, c'est secret. Un mystère, c'est un secret. Et un secret non révélé est toujours mystérieux. Donc c'est un mystère, c'est quelque chose de caché
qu'il y a un secret qui doit être révélé. Or, dans la dispensation, Dieu n'a rien fait dans la dispensation qui ne doit être révélé au Fils de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a rien fait dans la dispensation qui ne doit être caché et qui ne doit point être révélé. Certes, si des œuvres du Seigneur ont été cachées pendant des dispensations antérieures, mais des dispensations ont été réservées pour que ces choses qui étaient secrètes soient révélées. Donc un mystère, c'est le dévoilement d'une prophétie. Un mystère, c'est d'abord une prophétie, quelque chose caché dans le tronc de Dieu, dans le cœur de Dieu. Mais la révélation est plutôt ce dévoilement. Donc un mystère, c'est quelque chose que Dieu a caché depuis des âges, mais que le Saint-Esprit, qui a été donné depuis l'effusion du Saint-Esprit au temps des apôtres, nous a donné la capacité d'expliquer, de comprendre, de révéler et de comprendre, d'approfondir pour notre commune foi. Donc, quand nous parlons du couronnement, nous sommes ensemble et nous connaissons très bien l'œuvre du Seigneur depuis la création. Et le couronnement, quand on dit couronnement, nous savons que ça, c'est relatif au roi, à ceux qui sont dignes dans des dignités, qui reçoivent des couronnements. Or, quand nous parlons du couronnement, nous parlons de souveraineté, de royauté, d'autorité, de gloire, nous parlons des trônes, nous parlons des sceptres d'équité, etc. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais comme le docteur Daniel aussi est là, nous allons comprendre ceci, en bref, avant de continuer, sur où Dieu était avant de créer toutes choses. Où c'est là que nous allons commencer les choses. Où était Dieu? Et qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer toutes choses? Sinon, quand nous lisons bien Genèse 1, le verset 1er. Genèse 1, le verset 1er, oui. Genèse 1, verset 1er, je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si l'on dit le commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Dieu était où? Comment Dieu opérait? Qui était avec Dieu avant ce commencement que Dieu créa les cieux et la terre? Docteur Daniel, si vous pouvez apporter une réponse brève de dire là où il était. Comment il était avant de créer les choses au commencement. Là, ça me donnera l'ouverture et nous allons entrer dans le vif du sujet. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus bénisse et vous avez l'honneur à votre humble serviteur, le docteur Daniel. Vraiment, et je bénis le Seigneur Jésus pour ce moment de méditation que le Seigneur nous a accordé. Et je vais revenir sur la question de docteur Silas et qui veut savoir où était Dieu avant la création de toutes choses. Et en tant que le ministre de la parole, l'ancien de la parole, il faut que les Écritures parle à ma place. Nous dirons dans les Écritures, nous allons lire le livre de... Les Écritures. Ici, amen. Nous parlons des Écritures. Amen. Nous n'avons rien à dire autre que les Écritures. Amen. Nous ne sommes pas comme des pharisiens, des juifs, qui sont les Écritures, pensant avoir la vie, mais en rejetant l'esprit de vie. Amen. Gloire à Jésus. Donc, si nous lisons le livre de Psaume 90, le verset 2. Psaume 90, 2. D'abord, parler du verset 1er jusqu'à 2. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Le verset 2 nous dit ceci. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Gloire à Jésus. Donc nous voyons que dans ce passage, la Bible nous dit qu'avant que les choses visibles ne soient, avant que les montagnes ne soient, avant que les collines, tout ce que nous voyons aujourd'hui à l'œil nu ne soit, que Dieu était dans son éternité. Gloire à Jésus. Dieu était dans l'éternité. Et nous disons par là que c'est dans l'éternité que Dieu était caché. Il s'est caché et ne s'est pas encore manifesté les choses visibles. Donc, en résumé, Dieu était dans l'éternité. Gloire, dans son éternité. Gloire à Jésus. Ce qui m'a impacté dans la lecture de Psaume 90, verset du premier verset au verset 2, nous relisons. Voilà. Avant que les montagnes, ça c'est Psaume 90, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen.
Quelque chose m'a impacté ici, le monde. Donc, avant de créer les cieux et la terre, Dieu existait de toute éternité. Son trône est établi de toute éternité selon son. Alléluia. Maintenant, l'Écriture nous dit que avant qu'il eût créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, il est Dieu. Nous voyons par là que le monde que Dieu a créé n'existait pas dans son éternité, dans la réalité. Mm-hmm. Mais Dieu lui-même existait et tout se passait dans sa pensée, dans l'éternité. Il avait déjà tout créé. En réalité, tout ce qui a été créé au commencement dans Genèse 1 existait dans l'invisible, dans l'éternité. Donc Dieu a sa demeure dans l'éternité. Mais Dieu, dans sa demeure dans l'éternité, aucun être n'était là. Aucun âge n'était. Aucune création n'existait. Mais nous comprenons par les Écritures que le Dieu qui demeure de toute éternité et qui demeure dans l'éternité va établir son trône et va établir un ciel qu'on appelle les perfections invisibles. C'est là maintenant que Dieu va créer ce ciel dans l'éternité. Ça, ce n'est pas encore les cieux et la terre du commencement. Dieu existe de toute éternité. Dieu est de toute éternité et il est l'éternel. Et Dieu est dans l'éternité. Maintenant, avant même la création de toutes choses, avant même la création des invisibles ou des visibles, c'est Dieu seul qui te met dans l'éternité. Il n'y avait aucun ange, rien. Est-ce que vous comprenez? Mais dans l'éternité, Dieu va créer un ciel et va mettre des perfections invisibles dans son ciel. Et c'est ce ciel que nous appelons le ciel des perfections invisibles qui est caché dans l'éternité, dans l'invisibilité. Mais ce ciel dont je parle maintenant n'est pas mentionné dans Genèse 1 parmi les cieux qui ont été créés lors du commencement. Pourquoi? Parce que Dieu existait et tout ce qui a été créé dès le commencement existait, mais dans l'invisibilité. Donc si nous disons que c'est dans Genèse 1 que Dieu existe et que c'est en ce moment que le ciel où Dieu a créé des perfections invisibles existe, que c'est au commencement que tout a existé, là nous sommes en train de limiter Dieu. Parce que Dieu était quelque part, mais Dieu ne fait rien lui-même sans avoir conçu le projet. Donc ce qui veut dire que les cieux de la terre qui ont été créés au commencement n'est que représentation dans la visibilité du temps des choses qui existaient dans l'éternité. Or, l'éternité est l'âge qui existe depuis des générations, même avant la création. Ce qui veut dire que dans l'éternité, Dieu existe uniquement lui seul. Mais il va créer des êtres qu'il va mettre dans un ciel qu'il a créé, mais dans l'éternité, avant même la création, au commencement. Donc l'Écriture va nous dire dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que Dieu existe depuis le commencement? Est-ce que Dieu existe depuis le commencement? Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, c'est une question que le docteur Silas a posée. Il demande, est-ce que Dieu existe depuis le commencement? Nous disons non, parce que d'abord, si nous lisons ce passage qui nous parle également, le psaume 90, 93, autant pour moi, le verset 2 qui dit, je lis au nom de Jésus, ton trône est établi dès les temps. Alléluia. Tu existes de toute éternité, gloire à Jésus. Donc nous disons par là que Dieu n'existe pas depuis le commencement, mais avant le commencement. Alléluia. Donc de toute éternité, gloire à Jésus. Voilà gloire à Jésus-Christ. La réponse. Donc Dieu n'existe pas au commencement, mais il existe de toute éternité. Maintenant, est-ce que c'est au commencement que les anges ont été créés? Est-ce que c'est au commencement que l'homme a existé? Est-ce que c'est au commencement tout cela? Au commencement, Dieu va faire quoi? Il va représenter dans le temps. Donc nous voyons deux grandes disparitions, l'éternité et le temps. Donc de toute éternité, il est le seul Dieu d'éternité. Mais avant de créer les choses dans le temps, il a fait quoi? Les choses qu'il a créées dans le temps existaient dans l'invisibilité, dans l'éternité, dans le ciel des perfections invisibles qu'il va introduire dans l'éternité. C'est vrai, l'Écriture dit qu'il a établi son trône dès toute éternité. Ce que je viens de lire,
des temps anciens, il existe de toute éternité. Or, quand nous parlons de trône, nous voyons encore des serviteurs qui doivent servir, adorer le roi sur ce trône. Donc, Dieu avait des anges qu'il adorait depuis le ciel, avant même la création des cieux et la terre. Ah! Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu le savais? Alléluia! Acclame Jésus. Les cieux et la terre qui ont été créés au commencement, ce n'est pas la demeure de Dieu. Ce n'est pas Dieu existe là-bas. Et les anges, les hommes, tout ça était des esprits qui étaient dans le ciel de perfection invisible dans l'éternité avant la création du monde. Donc le monde qui a été créé fait partie du commencement. Donc nous voyons le temps, l'éternité. Est-ce que l'éternité a de commencement? Non. L'éternité a de fin? Non. Oh, Dieu est éternel. Mais pourquoi Dieu va créer les choses au commencement? Est-ce qu'on peut dire que les cieux qui ont été créés au commencement est en réalité le ciel de Dieu qui habite à l'éternité? Non. Si Dieu est éternel et que le commencement l'éternité n'a pas de commencement ni de fin, pourquoi Dieu va créer tout au commencement? C'est parce qu'il veut opérer dans une autre dispensation inférieure à la première. Or, l'ancienne dispensation dans laquelle il était l'éternité, où il va créer des perfections invisibles. Romains 1, verset 20. Donc, nous sommes à l'introduction pour que nous puissions venir sur le mystère du couronnement du Fils de l'homme. Romains 1, verset 20. Romains 1, verset 20. Je lis au nom de Jésus. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Néanmoins quoi? Les perfections. Les perfections invisibles de Dieu. Invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle. Sa puissance éternelle et sa divinité. Et sa divinité. Attendez. Où se situe cette perfection invisible, sa puissance éternelle et sa divinité? Elle sait depuis le commencement des cieux et la terre que la perfection invisible existe, sa puissance éternelle existe, sa divinité existe. Non. Maintenant, où se situait exister les perfections invisibles? Dans l'éternité. Alors que forme cette perfection invisible est le pont de Dieu. Ça forme le ciel. Alléluia. Le ciel même. Le ciel divin. Le ciel du surnaturel. Parce que Dieu existait dans le monde surnaturel avant l'existence du monde spirituel et du monde matériel. Alléluia. Amen. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En réalité, nous pouvons dire, Dieu créa le monde spirituel ainsi que le monde matériel. Or, en réalité, le monde surnaturel existait bien avant la création du monde spirituel et du monde matériel. Donc les cieux, c'est la terre. Et tout ce qu'ils composent en réalité forme le monde spirituel et le monde matériel. Donc quand nous parlons du monde, Dieu a créé le monde. En réalité, il s'agit de ce que Dieu a fait pendant les sept jours de la création. Là, nous voyons un mystère concernant les sept jours de la création. L'Écriture dit, les perfections invisibles de la divinité existent. Quand on dit perfection invisible, ça c'est des choses qui appartiennent à la divinité que lui-même va créer pour introduire dans la divinité. En réalité, les anges n'existaient pas de toute éternité et n'étaient pas Dieu. Les anges, tout ça, tous ces êtres, même les esprits humains qui étaient dans le ciel avec Dieu, n'existaient pas dans l'éternité avec Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quiconque. Il est le premier qui existe de toute éternité. Mais il va permettre. Il va créer des êtres qui va introduire dans cette perfection invisible. Alléluia. Ça, c'est dans l'invisibilité. Maintenant, l'Écriture dit dans Romains 1, verset 20, toutes ces choses se voient maintenant à l'œil. Quand on dit à l'œil, là, d'abord, on ne voit pas physiquement. À l'œil qui est écrit ici, il s'agit de quoi? À l'œil dont on parle ici, on parle du reflet spirituel du monde surnaturel où Dieu existait dans l'éternité, dans les perfections invisibles, et le reflet matériel du monde surnaturel où Dieu existait dans les perfections invisibles, dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez?
Donc le monde que Dieu a créé au commencement, qui est l'ouvrage de mains de Dieu pendant les sept jours, est juste la représentation spirituelle et physique des choses qui existent dans le monde surnaturel, au ciel qu'il a créé et a mis dans l'éternité avant le commencement. Gloire à Jésus. C'est clair. Néanmoins, les perfections vivent de la divinité, dont les anges existaient bien avant la création physique des choses au commencement. Les hommes étaient des esprits qui ont été introduits dans les perfections invisibles. Donc tout ce qui s'est passé dans les sept jours de la création n'est plus juste un formalisme, mais en réalité une manifestation des choses qui existaient dans l'invisibilité, mais qui étaient spirituelles dans la pensée de Dieu, dans la réalité du ciel qu'on appelle le septième ciel, puisque c'est des perfections invisibles. Quand on dit septième, c'est le chiffre de perfection. Donc ça montre que c'est la demeure même de Dieu, le lieu le plus tracé. C'est là le lieu tracé où on appelle le sanctuaire même, où on appelle le palais de la sainteté de Dieu, le trône même de Dieu, entouré des anges et nous les esprits qui étions prédestinés dans la pensée. Donc l'homme était une prédestination dans l'éternité au septième ciel, dans les perfections invisibles, en étant dans la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous disons que nous étions esprits depuis l'éternité. Mais en réalité, nous ne sommes pas, d'abord, quand on dit éternité, nous ne sommes pas égaux à Dieu. Mais Dieu va nous donner cette occasion d'être à ses côtés, en esprit, les anges, à son service, au ciel, même avant le commencement. Ah, gloire à Jésus. Nous allons un peu, pour qu'on puisse comprendre la configuration des choses. Donc nous voyons trois mondes. Le monde surnaturel, le monde spirituel, et le monde matériel. Le monde, oui, ou le monde physique. Le monde surnaturel est là où Dieu a établi sa demeure, le paradis de Dieu. Sa nature, c'est-à-dire son trône, est avec ses perfections invisibles. Quand on parle de perfections invisibles, il y a les anges, il y a aussi les esprits humains qui ont été introduits dans le septième ciel, dans l'éternité. Vous êtes d'accord? Gloire à Jésus. Donc, tout se voit maintenant à l'œil. Comment ça se voit à l'œil? Il y a des choses qui se voient à l'œil, mais spirituellement, et des choses qui se voient à l'œil matériellement. Alléluia. C'est pourquoi on dit que le Christ, dans le monde, est l'empreinte de la personne même de Dieu. En réalité, l'on est en train de voir l'autorité supérieure du Christ au-dessus même du monde qu'il a créé pendant le temps. Nous viendrons à là. Donc, au commencement de la Genèse, c'est en ce temps que Dieu a commencé par créer les choses qui existaient, mais dans le monde. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Donc, tout se voit à l'œil. Ça, c'est Dieu va représenter. C'est pourquoi nous parlons des mystères des sept jours de la création. Pourquoi? Les sept jours, pourquoi Dieu va créer le monde en sept jours? Pourquoi Dieu, c'est en sept jours, il va créer le monde? Sept, c'est un chiffre de perfection. Le chiffre sept est un chiffre de perfection. Maintenant, nous disons que les perfections invisibles, selon Romains 1, verset 20, se voient maintenant à l'œil, n'est-ce pas? Amen. Comment ces perfections ont été vues à l'œil? Par les sept jours de la création. Donc si les perfections invisibles qui représentent en réalité le chiffre 7, perfection invisible, le chiffre 7, se voient maintenant à l'œil, ça montre que tout ce qui s'est passé dans les sept jours de la création n'était que symbolique. La représentation spirituel, matériel de perfection invisible. Or, cette perfection invisible représente le chiffre 7. C'est ce qu'on appelle le septième ciel. Dieu va représenter le septième ciel qui est la perfection invisible de sa divinité, sa puissance éternelle dans le ciel. Il va le refléter dans le commencement, dans le temps. C'est pourquoi c'est dans un 7 jours qu'il a créé toutes choses, il a achevé l'œuvre de la création. En réalité, quand il a commencé du premier jour au septième jour, il a réussi à représenter ce qui existait dans le surnaturel au septième ciel, même avant la création. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est clair, hein? Alléluia. C'est voilà le mystère de 7 jours. Nous allons venir sur le couronnement. Qui comprend? C'est-à-dire, Dieu a créé le monde en sept jours. En réalité, le monde qu'il a créé en sept jours existait avant dans l'invisibilité, dans sa pensée, dans le surnaturel,
dans les perfections invisibles. Et nous disons que ces perfections invisibles sont en réalité l'image du septième ciel. Car les perfections visibles sont des choses que Dieu a introduites dans l'éternité, mais qui forment avec son trône le septième ciel. Or, quand on dit septième, ce n'est pas que c'est un septième chiffre numérique dans la numérologie, non. Ça ne veut pas dire que nous enseignons qu'il y a un septième ciel, un sixième, non. Il peut y avoir dans des sciences, dans autres sciences, mais ici, selon le modèle du tabernacle de Moïse et selon l'échelle de Jacob, nous voyons ces régions, trois grandes régions invisibles ou visibles, le surnaturel, le spirituel et le matériel. Gloire à Jésus. Or, quand on dit matériel, il y a terre, matériel. Il y a terre dans le mot matériel. Et quand on dit spirituel, nous voyons d'abord les cieux que Dieu a créés dans le temps. Nous voyons, en tout cas, il y a plusieurs types de niveaux. Nous reviendrons à ce niveau. Et le mot spirituel naturel, Dieu l'a appelé perfection invisible. Dieu a appelé son lieu, son ciel, où il était dans son palais cet été, avant la création du monde, où les anges étaient avec lui, où toutes les créations étaient invisibles avec lui. Il a appelé ce lieu son palais cet été en étant les perfections invisibles. Mais quand ça se voit maintenant à l'œil, il va établir ce septième ciel qu'on appelle le mystère des perfections invisibles. Il va l'établir dans le monde qu'il va créer dans le temps. Il va l'établir en 7 jours. Pour que la création soit parfaite, pour que nous puissions voir l'œuvre de Dieu en sa grandeur, en sa magnificence et en sa puissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout était 7. C'est-à-dire, ce n'est pas 7, 1, 2, 3, 4. Non, non. C'est un niveau de grandeur, d'élévation dans le symbolisme même du ciel ou du Père. Il va répondre ça en 7 jours de création pour montrer que ce que Dieu a fait est parfait. Tout ce que tu as fait est dans l'invisibilité est parfait, mais il va ramener tout ce qui était parfait dans l'invisibilité au ciel, dans l'éternité, dans le temps, et tout est parfait. Gloire à Jésus. C'est pour cela que la Bible va nous dire dans le livre de Genèse que quand Dieu a créé les choses, il a dit que ces choses sont bonnes, ces choses sont parfaites. Nous voyons que la perfection de Dieu depuis l'éternité est en train d'être réalisée, même sur la terre, le Seigneur a confirmer qu'il est parfait. Alléluia. Nous bénissons le Saint Jésus. Gloire à Jésus. Vraiment pour ses connaissances, pour tes révélations. Alléluia. Maintenant, nous venons de comprendre clairement trois mondes. On l'a expliqué. Et nous savons que c'est au commencement que Dieu va créer le monde spirituel et le monde matériel. Or, au commencement, l'Écriture dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Donc, avant ce commencement, le ciel existait, tout existait dans l'invisible. Même la terre existait dans l'invisible, dans les perfections invisibles. Pourquoi? Le jardin d'Éden existait. C'est ça qu'on appelle les perfections invisibles en réalité. Les choses qui composent le paradis, même si c'était le jardin d'Éden, l'arbre de vie existait même au septième ciel, dans l'éternité, dans le trône de Dieu, dans l'invisibilité. Il va introduire aussi l'arbre de vie, il va représenter le jardin d'Éden dans le monde matériel. Donc le jardin d'Éden a été replanté physiquement dans le monde matériel. Or, en réalité, ce jardin d'Éden a été aussi replanté spirituellement au troisième ciel. Or, le troisième ciel fait aussi partie des cieux qui ont été créés à la création. Le troisième ciel n'est pas le monde surnaturel. Le troisième ciel, nous le disons haut et fort, le troisième ciel n'est pas dans l'éternité. Le troisième ciel n'est pas le paradis éternel. Mais le troisième ciel fait partie du monde spirituel, le lieu le plus élevé dans le monde spirituel que Dieu va créer au commencement à la création. Gloire à Jésus. Donc Dieu n'habite pas au troisième ciel, mais Dieu va se représenter au troisième ciel. Parce qu'on ne peut pas limiter Dieu au temps. Dieu ne peut pas habiter dans le temps de la création, mais Dieu habite dans sa demeure, mais il va se replanter dans le temps. C'est pourquoi parfois nous disons qu'il habite partout, dans le troisième ciel, dans le corps de l'homme. En réalité, il n'est pas là comme ça, mais il s'est replanté par une image semblable à lui. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, Dieu habite partout. Il est dans le monde surnaturel, le monde spirituel, le monde matériel. Mais en réalité, sa vraie demeure, c'est le monde surnaturel dans l'éternité. Mais il se représente simplement
dans le troisième ciel, dans le monde spirituel et dans le monde matériel, au jardin d'Éden. Et au commencement, c'était pas le jardin d'Éden dans le monde matériel. C'était, en tout cas, nous allons venir à ce niveau. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, le mystère du couronnement du Fils de l'homme. Couronnement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui va se passer? Quand nous parlons du couronnement du Fils de l'homme, nous allons méditer vraiment une histoire particulière. Comment l'homme a été créé? D'abord, comment? Quelqu'un peut me dire, Ezra, c'est vite Ezra, comment, littéralement, comment Dieu va créer toutes choses pendant 7 jours? Comment? L'écriture dit dans Job que Dieu a fixé une limite pour la mer, que la mer ne doit pas dépasser. Dieu va mettre à l'orient des choses, le soleil, les planètes. En tout cas, Dieu va tout faire. Maintenant, comment il a fait? C'est pas quand la Bible dit que tout a été fait par la parole. Je suis en train de te dire comme ça. Et c'est pas directement la parole invisible qui le fait, mais comment Dieu a fait les choses. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, peuple de Dieu. En réalité, pour que Dieu puisse accomplir cette œuvre de la création, pour qu'il puisse créer ces choses, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est d'abord lui-même matérialisé. Il s'est d'abord lui-même, manifesté dans un corps spirituel, étant homme. C'est pour dire, avant même de créer l'homme, avant de créer des choses matérielles, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est d'abord lui-même fait homme. Et c'est à partir de là que il a pu créer toutes choses. Ah bon, vous êtes avancé, hein? Il allait au haut niveau même. Moi, je pensais qu'il allait être simple. Moi, je pensais qu'il avait parlé de la notion d'engendrement. Simplement, Dieu là, il a été engendré par la parole a été engendrée. Et la parole a été engendrée, est devenue un fils. Et ce n'est pas le fils que Dieu a tout créé. L'Écriture dit que ce n'est pas le fils que Dieu a créé le monde. Lisons dans Hébreu 1. Hébreu 1 à partir du premier verset au verset 2. Si je me trompe. Hébreu 1. Ah, voilà. Hébreu 1, je lis moi-même. Après avoir Hébreu 1, le verset 1 au verset 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans cet dernier temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Donc ce n'est pas le Fils que Dieu a créé le monde. C'est pas le Fils que Dieu a créé le monde. Alors nous allons identifier ce type de fils. Quand on dit fils dans l'écriture parle de deux types de fils. Fils de Dieu et fils de l'homme. Alléluia. Or, quand nous parlons du fils de Dieu, nous ne voyons pas en même temps un homme. Mais nous voyons quoi? Quand nous parlons du fils de Dieu, nous voyons une dispensation. C'est-à-dire la parole qui était en Dieu dans l'éternité, qui sort de Dieu. Or, l'écriture va dire, dans Jean 1.1, lisez Jean 1.1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole. Mais l'Écriture dit dans Genèse 1.1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc l'Écriture dit dans Genèse 1.1 que au commencement c'était les cieux et la terre. Mais Jean 1.1 nous dit au commencement était la parole. Est-ce que comment nous pouvons déduire cela, tonton Daniel? Est-ce que cela dit que les cieux et la terre ont été d'abord créés avant l'engendrement de la parole, ou la parole existe au commencement, même avant la création des cieux et la terre? Gloire à Jésus. Alors si je dis encore, si la Bible dit que ce n'est pas le Fils que Dieu a créé le monde, alors comment il a fait? Amen. Si ce n'est pas le Fils, j'ai béni le Seigneur Jésus pour la question. Et la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, le verset 2, que ce n'est pas le Fils que Dieu a créé toutes choses. Or, quand nous revenons dans le livre de Jean 1er, le verset 1er, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Nous voyons que la parole d'abord est spirituelle. Nous ne voyons pas la parole. Quand la parole sort, nous ne la remarquons pas. Donc, nous voyons déjà que la parole, elle est spirituelle. Nous ne la voyons pas. Or, quand le docteur parlait, il dit, d'abord quand on dit fils, nous ne voyons pas un être physique. Nous ne voyons pas un être qui se retrouve dans un corps. Gloire à Jésus. Quand nous irons maintenant dans
dans le livre de Genèse. Allons dans le livre de Genèse 1er. Je lis le livre de Genèse 1er à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Gloire à Jésus. Là où la Bible dit, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là, moi, je comprends que le Fils par lequel Dieu a créé le monde, le Fils par lequel Dieu a commencé par faire exister les choses physiques, est d'abord l'esprit qui est la parole de Dieu, qui a été engendrée par elle-même, que Dieu a utilisé autant pour moi pour faire exister le monde, pour faire exister les choses visibles, pour faire exister ce que nous voyons aujourd'hui. En résumé, nous disons que le Fils par lequel Dieu a créé le ciel et la terre et les choses visibles, c'est l'esprit de Dieu, c'est la parole qui s'est fait chair, mais cette chair dont il est question, c'est un corps spirituel, gloire à Jésus, qui a reçu cette capacité, cette possibilité de venir dans le monde, de rester dans le monde pour faire exister les choses qui étaient dans ta pensée dans l'éternité. Gloire à Jésus. Voilà un peu ce que je peux apporter comme bonne question. Par là, nous disons que le Saint-Esprit a commencé par œuvrer depuis l'éternité, depuis avant même la création du monde. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère en tant que la parole engendrée. Or, quand l'Écriture dit que la parole était au commencement, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui entre dans le monde, était la parole qui était en Dieu, avec Dieu dans l'éternité, qui a reçu mission d'aller créer toute chose pour que tout œil voit les créations invisibles, dans les perfections invisibles, dans l'éternité, maintenant à l'œil visible. Donc le Fils est une disposition inférieure au Père. Quand nous parlons du Père, nous parlons de l'éternité. Quand nous parlons du Fils, il s'agit de quoi? De la parole engendrée, de la parole qui opère dans le temps. Or, quand nous disons temps, c'est le commencement et la fin. Or, au commencement, étant la parole, cela montre que la parole était en Dieu. Mais la parole n'avait pas encore commencé par œuvrer d'une manière visible. Donc, tout ce qui était invisible en Dieu, la parole qui a été engendrée a reçu cette mission de pouvoir mettre en exécution d'une manière visible, mais spirituelle et matérielle dans le temps. Alléluia, les choses qui existaient dans l'invisibilité. Alléluia. Dieu va créer des choses qui existaient. Il va le faire en 7 jours, y compris l'homme. Et c'est pourquoi nous disons que l'Écriture dit quelque part, c'est lui qui a tracé. Ah, c'est lui qui a éprouvé ce fondement. Où étais-tu quand le soleil existait? Où étais-tu quand Dieu faisait tout? En réalité, il a porté un corps spirituel, comme ils l'ont dit. Alléluia. Pourquoi il a porté un corps? Nous parlons de la disparition du temps qui reprend le Fils, la parole qui a été engendrée. Et moi, je dis, par rapport à cela, que la parole n'était pas en chair pendant même avant le commencement. Au commencement, la parole n'était pas encore en chair. Pourquoi? L'Écriture dit dans Jean 1, verset 14, et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Parce que la parole a été faite chair juste pour une mission définie. Mais quand nous parlons de chair, nous voyons l'âme, le corps, une chair semblable à celle des hommes. Effectivement. Mais lorsqu'il a créé l'homme, ou bien lorsqu'il a créé au commencement, le corps qu'il avait porté n'était pas un corps de chair, mais c'était un corps spirituel. Alléluia. Mais pourquoi il est obligé de porter un corps spirituel s'il est la parole de Dieu, s'il est l'esprit de Dieu, s'il peut tout faire même sans un corps? Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il va porter? Vous voulez répondre? En bref, et nous continuons. Bon, pourquoi Dieu devait porter un corps pour venir opérer, pour venir faire les choses et les choses à la création, pour venir faire exister les choses invisibles et dans le temps? C'est parce que d'abord, les choses qui devaient être représentées, les choses qui devaient être
maintenant visible à l'œil nu, il faut que quelqu'un d'abord se manifeste visiblement, ou bien quelqu'un ait la possibilité de paraître physiquement afin de pouvoir faire les choses physiques dans le temps, parce qu'il s'agit du temps. Or, dans le temps, les choses qui existent dans le temps doivent être visibles et à l'œil nu. Gloire à Jésus. C'est en cela que je vais vous faire rappeler quelque chose. Nous voyons que quand le Seigneur Jésus était venu pour sa deuxième introduction dans le monde, quand il a fini d'accomplir l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la crucifixion à la croix, et il a effectué la résurrection. Après la résurrection de Jésus, nous l'avons vu comme ça physiquement. Et lui, il a la possibilité de toucher, de nous toucher. Voilà. Mais ce corps qu'il a porté, c'est un corps spirituel. Ce n'est pas un corps comme nous aujourd'hui, mais pourquoi je dis ça? Parce que lui, il a la possibilité dès lors de traverser même les nuits, d'aller maintenant à la vitesse de la lumière. C'est de la même manière à la création, quand le Saint Jésus, quand Dieu, autant pour moi, voulait faire exister les choses visibles que nous voyons aujourd'hui, il a fallu qu'il porte un corps spirituel à lui afin de pouvoir faire exister les choses réelles. Voilà un peu ce que je peux dire. Alléluia. Donc, il a porté un corps spirituel. Parce que comment un Dieu invisible peut-il créer des montagnes, créer l'homme, créer des cieux et la terre s'il n'a pas un corps spirituel? Si nous disons qu'il avait été manifesté en chair, là, cela ne serait pas concordant. Parce que en ce temps, l'homme n'avait pas péché. Or, c'est à cause du péché de l'homme qu'il a fallu qu'il prenne un corps matériel pour sentir la douleur des hommes et aller à la croix. Mais en ce temps, ce n'était pas pour l'œuvre de la rédemption, mais plutôt l'œuvre de la création. Or, en réalité, dans l'œuvre de la création, c'est les choses, l'invisibilité qui vient dans la visibilité, dans le temps, pour pouvoir créer les choses dans la visibilité. Or, en réalité, il ne peut pas être engendré. Il ne peut pas être créé sans être engendré. C'est pourquoi la parole qui était avec Dieu, en Dieu, qui était Dieu dans l'éternité, va être engendré comme un fils pour pouvoir créer plusieurs fils, pour pouvoir créer les choses soumises à l'éternité. Lisons Hébreux 10. Hébreux 10, verset 5. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Verset 7. Alors j'ai dit. Non, c'est bon. Oui, je viens. Non, c'est bon. L'Écriture dit, c'est pourquoi, Hébreux 10:5, Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. D'abord, Christ est l'œuvre de Dieu dans toutes les dispensations. Christ est l'œuvre de Dieu dans toutes les dispensations, de l'éternité à l'éternité. Christ est Dieu dans l'éternité, mais dans le temps, il demeure Dieu. Mais en réalité, le nom, non, l'attribut du Christ étant Dieu dans le temps est fils. Donc il est fils, le Christ est fils dans la dispensation du temps. Or en réalité, il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, etc. Donc ça, c'est la parole du Fils qui a été engendré avec un corps spirituel. L'Écriture dit quoi dans le livre de Colossiens 1? Il est le premier-né de toute la création. Comment il est le premier-né de toute la création? Il est le premier-né de toute la création parce que à la création, la parole qui existait dans l'éternité va être engendrée. C'est-à-dire va sortir du Père qui est dans l'éternité pour entrer dans le temps. Donc la première chose qui existe dans les créations de Dieu dans le temps n'est pas les cieux et la terre. En réalité, c'est le Fils. Donc le Fils est la première manifestation même de perfection invisible dans le temps. Alléluia. Parce que rien n'a été créé sans la parole. Donc la parole doit dépasser toute chose. C'est pourquoi Dieu va sortir la parole dans l'éternité pour pouvoir créer les choses visibles. Donc la pensée réfléchit les choses invisibles, mais la parole crée les choses visibles.
qui existait dans l'invisible pour qu'elle se manifeste visiblement. Quand je parle du visible, de la visibilité, je mets en même temps le troisième ciel aussi dedans. Or, le troisième ciel est invisible et est spirituel. Mais nous savons que tout ce qui a été fait dans le temps a été fait dans la visibilité. C'est pourquoi dans la visibilité, il avait porté un corps non matériel, mais spirituel. Cette visibilité, en réalité, n'est pas semblable à la visibilité matérielle du Fils lorsqu'il était introduit pour la croix. Mais cette visibilité dont on parle est une visibilité qui permet à ce que le Christ reflète tout ce qui est dans l'invisible pour que tout soit à l'œil, mais d'une manière spirituelle. Donc cette visibilité n'est pas une visibilité matérielle, mais la puissance de l'invisible qui est dans la visibilité a le pouvoir de créer des choses matérielles quand même étant invisibles, voilà, mais opérant dans la visibilité. Waouh, voilà. Wow. Voilà. Gloire à Jésus. C'est la puissance de Jésus-Christ. Du Christ, voilà. De Christ, la puissance de Christ. Il est capable, quand même étant invisible, étant une dispensation, parce que le Fils est d'abord invisible, étant la parole engendrée. Mais quand même que la parole a été engendrée, la parole n'avait pas encore matériel, puisque c'est lorsqu'elle était venue dans le monde pour la croix qu'elle avait porté un corps matériel. Donc le corps qu'avait porté la parole invisible était un corps spirituel. Et donc quand nous parlons du corps spirituel, en réalité c'est la visibilité. Une visibilité dans la spiritualité. Oh là là. Alléluia. Celui qui est invisible est venu dans la visibilité. Mais dans la visibilité, il est encore demeuré invisible à cause de la spiritualité. Mais nous parlons de la visibilité dans le temps. Or, cette visibilité dans le temps n'était pas encore la matérialisation du Fils. Oui. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. En ce temps, ce n'était pas pour l'œuvre de la croix que le Fils a été introduit dans le monde. Or, avant même l'introduction du Christ dans le monde, Dieu avait prédestiné un agneau sans tache qui devait être immolé à la fin des temps. Un prière l'a dit. Mais est-ce que c'est au commencement que l'agneau devait être immolé? Non. Car l'homme n'avait pas encore été créé pour pécher. Et quand même que l'homme avait été créé, l'homme n'avait pas la vocation de pécher. C'est après la création que l'homme a péché. Alléluia. Nous voyons par là que en ce temps, Dieu n'avait pas voulu ni sacrifice ni offrande. Parce que le temps même de l'accomplissement d'un sacrifice n'est pas arrivé. Quand même que Dieu savait toutes choses, Dieu pouvait empêcher l'homme de pécher. Mais en réalité, pour le dessein des prédestinations, Dieu a prévu un agneau sans tache, sans défaut. Mais qui a été immolé à la fin du monde lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde pour aller à la croix. Mais en ce temps, il n'avait pas voulu ni sacrifice ni offrande parce que le temps des sacrifices n'est pas encore arrivé. C'était le temps de création. C'est pourquoi il a apporté le corps spirituel étant fils. Et il a fait quoi? Créer l'homme à son image, créer toutes choses. Il a créé les choses de la terre, toutes choses en tant que fils de Dieu. Ça, c'est la parole engendrée, le premier de toute la création. Donc, avant même la création des choses de la terre, Dieu va engendrer la parole qui est le premier né qui existe. Quand on dit engendrer, ce n'est pas que Dieu va faire enfant. C'est-à-dire, Dieu sort une partie. C'est une partie ou bien il sort de lui la parole qui entre dans le temps. Mais comme le temps de la matérialisation du Fils n'est pas encore arrivé, c'était un corps spirituel qu'il a porté pour pouvoir créer les choses et rendre l'homme à l'image de Dieu. C'est clair maintenant. Maintenant, quand il a créé toutes choses, arrivons maintenant sur l'homme. La Bible dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ah bon? Donc si le Fils est une dispensation, étant le temps, inférieur à l'éternité, comment est-ce que l'homme a été créé à l'image de Dieu? Sachant que le Fils de Dieu est le temps et que l'homme a été créé dans le temps et que l'homme a reçu l'image du Fils. Or, l'homme est un être différent du Fils. Quand nous parlons du Fils ici, nous parlons de Dieu dans le monde. Nous parlons de la parole de Dieu. Mais quand nous parlons de l'homme qui a été créé, nous parlons
que la parole de Dieu a dans le monde lors de la première introduction de Christ. Alléluia. Alléluia. Oui. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Pourquoi Dieu va créer l'homme à son image? Amen. Et comment il a fait? Si le Fils est la parole de Dieu. Voilà. Et si le Fils n'est pas un homme, on sait que le Fils de Dieu n'est pas un homme semblable aux hommes. Et que le Fils est la parole de Dieu qui sort de Dieu, qui a été engendré dans le temps avant les créations visibles. Donc si c'est le Fils qui a créé toutes choses et a aussi créé l'homme à son image. Donc, pourquoi l'homme a été créé à l'image de Dieu? Et quelle est la nature que l'homme a reçue du Fils qui a créé toutes choses? Alléluia. Alors, quel est ce Fils? Alléluia. Et il s'identifie à quoi? Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur Jésus pour et la question. Une question vraiment. Vraiment, c'est dosé. C'est une question dosée, mais selon que l'Esprit de Dieu m'a inspiré, je vais donner et moi mon apport. Selon que le Saint-Esprit m'a inspiré. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 26, à partir du verset 24. Bon, lisons le verset 26. Je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, et le créa, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Gloire à Jésus. Nous voyons que jusque-là, Dieu n'a pas encore fait exister. D'abord, il faut comprendre que créer, quand nous parlons de créer, c'est ce qui est sorti de l'invisible. C'est ce qui est sorti de l'éternité ou bien ce qui est dans le spirituel ou dans le surnaturel. Et au début, quand nous parlons, nous disons que Dieu d'abord est le Père des esprits et nous qui sommes des esprits, nous étions en Dieu. Donc il faut noter que nous étions tous en Dieu. Gloire à Jésus. C'est un esprit invisible. Voilà, nous étions tous en Dieu, mais dans l'éternité. Gloire à Jésus. Maintenant, pendant que Dieu disait, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pendant que Dieu disait ça, à la fin du verset, la Bible dit, et il créa l'homme et la femme. C'est pour nous dire que l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme étaient dans la pensée de Dieu, étaient en Dieu. Mais les Écritures nous affirment qu'ils sont déjà créés. Alors, s'ils sont déjà créés, ça veut dire qu'ils sont existés. Nous parlons de la fabrication. Avant qu'on ne fabrique quelque chose, il faut qu'on parle. Qu'on soit l'idée générale. Amen. Il faut qu'on parle de ce qui est créé, parce que ce qui est créé maintenant peut paraître physiquement, et on peut partir de ce qui est créé pour fabriquer, et aussi on peut parler d'autres choses. Donc c'est pour faire la nuance entre le verbe créer et le verbe fabriquer, engendrer et tout. Gloire à Jésus. Donc ici, nous voyons que pendant que Dieu disait, et il créa l'homme et la femme, c'était l'esprit de l'homme et la femme qui se retrouve dans la pensée de Dieu. Mais cela n'est pas encore paraître visiblement comme ça. Maintenant, comment Dieu va créer l'homme? Là maintenant, la Bible va nous dire dans le livre de Genèse chapitre 2, à partir de verset 7, et Dieu forma la formation. Avant de former, il faut d'abord que la chose soit créée, selon que les Écritures nous disent ici. Donc nous voyons qu'après que Dieu a créé l'esprit de Adam et l'esprit de Ève, Dieu maintenant va former maintenant. Quand Dieu va former, c'est alors que nous voyons maintenant la représentation de l'esprit de l'homme qui était dans l'invisible dans le septième ciel. Amen. Et la pensée de Dieu. Dieu s'est matérialisé. Voilà comment je peux dire. Mais Dieu qui voulait et former Adam, comment il a formé? Parce que nous disons au départ que Dieu avait porté un corps spirituel. Gloire à Jésus. Ici, la Bible va nous dire que Dieu va utiliser maintenant
la poussière pour former l'homme. Pour former l'homme selon que les Écritures nous ont défini. Or, Dieu étant esprit, et nous savons tous que l'esprit n'a pas la possibilité de toucher. L'esprit, pour toucher, soit il traverse, soit il est à la vitesse de la lumière et ne peut pas toucher. C'est pour cela que nous disons que Dieu avait porté, l'esprit de Dieu avait porté un corps spirituel qui lui permet de toucher, qui lui permet. Parce qu'il est omniscient, voilà, omnipotent. Voilà. Il peut avoir un corps spirituel, toucher ce qui est matériel. Voilà. Parce qu'il est Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour cela que je disais, je vous ai fait remarquer que quand le Seigneur Jésus, après sa deuxième introduction dans le monde, quand il a fini de faire son œuvre à la croix et ressuscité, il a la possibilité de toucher. Mais pendant ce moment, c'est un corps spirituel qu'il a porté. Gloire à Jésus. Donc, c'est de la même manière, quand Dieu voulait former Adam, c'est dans ce corps il était. Et ce corps lui permettait de toucher la poussière et maintenant de façonner Adam à son image et maintenant à ta représentation. Et là, nous disons par là que l'esprit que Dieu avait créé et c'était en lui, c'est ça maintenant, il va léguer en Adam. Donc nous disons, selon la question de Dr. Silas, il dit, le Fils a quoi et a donné à l'homme. Et l'homme maintenant est devenu l'un des dieux. Gloire à Jésus. Ce Alléluia. Que le Fils a donné à l'homme, c'est l'esprit. Donc, ce que Dieu nous, le Fils a donné à l'homme, c'est l'esprit qu'il nous a donné tous, parce que nous étions tous en lui dans l'éternité. Donc, par le Fils, Dieu nous a engendré, nous a créé par son esprit. Donc, ce que nous avons reçu de Dieu à son image et son esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce que je peux apprendre. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Par votre développement, nous avons compris que c'est le Fils qui a créé l'homme à l'image de Dieu. Amen. Et le Fils qui est Christ entrant dans le monde, ayant un corps spirituel, va former l'homme à l'image de Dieu. Et quand même étant spirituel, touchant les choses matérielles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi-même, je vais expliquer ce mystère à ce niveau. Nous sommes sur le mystère du couronnement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le couronnement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui va se passer? Comment le Fils, qui est la parole de Dieu, dans le corps spirituel, peut former quelqu'un qui est semblable à lui, mais dans un corps matériel? Celui qui a été formé avec un corps matériel, un esprit, une âme et un corps matériel. Mais celui qui formait était une dispensation inférieure à l'éternité. Le Fils de Dieu était la parole. Or, la parole ayant été engendrée a porté un corps spirituel. Alors, nous disons comment? Qu'est-ce qui réellement a formé l'homme à l'image de Dieu? Et quelle est cette image que Dieu a portée pour pouvoir créer l'homme? Nous allons expliquer cela. Est-ce que vous comprenez? D'abord, il faut comprendre les introductions du Christ dans le monde. Parce que quand je dis introduction du Christ dans le monde, beaucoup ne comprennent pas. Nous avons sept introductions du Christ dans le monde. Sept introductions du Christ dans le monde. Sept dispensations, sept introductions du Christ dans le monde. Oui, vous parlez de la perfection de Dieu. De l'œuvre de Dieu. Pour démontrer que Dieu n'est pas, Dieu ne travaille pas dans l'inachevé. Voilà. Mais Dieu vraiment... Et fait tout pour sa gloire, fait tout dans les perfections invisibles. De la même manière qu'il a tout fait dans le ciel, qu'on appelle septième ciel, avant même la création, qui est les perfections invisibles. Or, le chiffre 7 est un chiffre de perfection. Et de la même manière, il les a replantés pendant 7 jours. Il les a replantés pour que tout soit parfait. Tout ce qui était visible dans l'éternité soit parfait dans le temps, en 7 jours. Représentation spirituelle et matérielle de ce qui est surnaturel. Il a de même aussi été introduit sept fois dans le monde. Amen. S'il y a sept dispensations, il y a sept introductions du Christ dans le monde. Et les sept introductions du Christ dans le monde ont leur but, leur mission, leur rôle. Car à chaque fois que Christ s'introduit dans le monde, c'est pour opérer une œuvre différente à la dispensation antérieure. Amen. Or, nous savons que Christ, en tant que Dieu dans l'éternité, n'a jamais changé. L'Écriture dit, dans le livre de Malachie 3, le verset 6, car le Dieu de Jacob n'a jamais changé.
Il n'a jamais changé. L'Écriture nous dit encore que tout vient, toute grâce excellente vient du Père de lumière, chez lequel il n'y a aucune ombre de variation. Donc, Christ en tant que Père sur le trône éternel dans l'invisibilité ne peut jamais changer. Il ne change jamais parce qu'il est le Père, il est éternel. Mais lorsque Dieu veut opérer dans les dispensations, Christ change. Ah, Dieu ne change pas les fonctions qu'il exerce. Or, en réalité, dans sa nature, il n'a jamais changé parce qu'il est l'éternel Dieu. De toute éternité, il est Dieu. Avant que le montagne fusse né, il est Dieu. Ce n'est pas parce qu'il s'est abaissé sous le surnaturel pour venir dans le spirituel, pour opérer dans le matériel, qu'il n'est plus Dieu, qu'il n'est plus éternel. Mais il s'est abaissé pour pouvoir accomplir une mission. Une fonction. Donc Dieu change pour exercer une fonction à chaque dispensation relativement. Mais quand l'éternité, il n'a jamais changé. Ah. Donc quand on parle de cette introduction de Christ dans le monde, c'est les introductions de Christ pour opérer dans les dispensations. Quelle est la première introduction de Christ dans le monde? L'Écriture dit, quand nous lisons bien Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi, Hébreux 10, 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Ah, c'est quand? Quelle est cette introduction dans le monde? Quelle est cette entrée dans le monde? Christ entrant dans le monde dit, tu n'as jamais voulu sacrifier une femme, mais tu m'as formé un corps. Ça, ce n'était pas pour l'œuvre de la croix, car ce n'était pas pour le sacrifice qu'il a été formé, mais c'était pourquoi la création. Donc, cette introduction dans le monde était à l'origine même du commencement. Donc, c'est l'introduction qui s'est passée même avant le commencement de toute chose. Donc, au commencement même, la parole existait avant même la création de toute chose au commencement. Alors, vous comprenez? Donc, la première introduction du Christ dans le monde s'est passée lors de l'engendrement de la parole. Lorsque la parole sort de l'éternité dans l'invisibilité pour entrer dans le temps. Et cette parole qui entre dans le temps reçoit un corps spirituel pour fixer les dimensions pendant les 7 jours, pour pouvoir créer les choses pendant les 7 jours et aussi former l'homme à l'image de Dieu. Ça, c'est la première introduction du Christ dans le monde. La deuxième introduction du Christ dans le monde s'est passée après des moments. Parce que lorsque Dieu a introduit le Fils et le Christ dans le monde, on l'appelle en même temps Fils de Dieu. Ce Christ porte en même temps l'attribut Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu est la dispensation du temps. Or, quand nous parlons de dispensation du temps, nous avons le commencement et la fin. Or, quand nous parlons de commencement et fin, nous voyons une dispensation inférieure à l'éternité. Ah, or, plutôt, l'Écriture me dit quoi? Que Jésus est le commencement et le Christ, Jésus est le commencement et la fin. Donc, en réalité, il est l'éternel, mais il a en même temps le commencement et la fin. Donc, la première introduction de Christ dans le monde, c'était au commencement, avant le commencement de la création, mais au commencement du temps. Parce que c'est lui qui a été engendré avant la création, au commencement du temps. Alléluia. Ça, c'était pour la création de l'homme, la création des choses visibles, des choses de la terre, etc. Pendant les 7 jours. Maintenant, comme l'homme a péché à désobéir dans le jardin, Dieu va préfigurer des animaux. Parce que depuis l'éternité, un agneau a été destiné sans tâche pour être sacrifié pour le salut de l'humanité. Donc Dieu dira que Dieu savait que l'homme allait pécher. Parce que Dieu a déjà prédestiné un agneau depuis l'éternité, même avant la création, l'introduction du Christ dans le monde. Mais quand le Christ était entré dans le monde, ce n'est pas pour aller à la croix, pour pouvoir accomplir le sacrifice de cet agneau. Non. Ça, c'était au commencement. C'est pourquoi tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Parce que le temps où l'agneau prédestiné pour être sacrifié n'est pas encore arrivé, c'est pourquoi c'était pour la création. Et comme le péché est arrivé dans le monde, le temps de l'agneau prédestiné qui sera sacrifié sera arrivé dans la dispensation à venir pour accomplir le dessein de la présence de Dieu dans le temps du salut. Maintenant, avant le temps du salut, il y avait les préfigurations. Quand on parle de préfiguration, Dieu va utiliser un agneau physique, matériel, sans tâche, dont le sacrifice et le sang va marquer les linteaux des portes des animaux, préfigurant le Christ qui sera immolé
à la fin du monde dans le temps du salut. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, Abraham va avoir une expérience. Oh, vraiment, acclame Jésus-Christ. Abraham va avoir une expérience. Dans, lorsque Dieu va dire, Abraham, prends ton fils Isaac, va le sacrifier. Isaac avait obéi. Il s'est humilié, sachant qu'il est le fils. Oui, non, Isaac s'est humilié. Isaac, le fils d'Abraham, a accepté l'offre de son père. Parce que Abraham étant obéissant à Dieu, Isaac a pris son exemple et les deux s'en vont pour le sacrifice. C'était à quel moment? Abraham a nommé montagne de Jéré. Voilà. Ok, continuons. L'éternel pouvoir. Continue. Donc, Isaac va suivre son père jusqu'au moment où ils seront devant l'autel. Isaac va dire, voici l'autel. Voici toutes choses. Voici tous les ustensiles, les outils du sacrifice. Écoutez-moi, vous écoutez bien, non? Maintenant, où est l'agneau qui doit être sacrifié? Où est le bélier qui doit être sacrifié? Qu'est-ce que Abraham a dit? Abraham a dit que Dieu lui-même pouvoir. Ah. Mais il n'y a pas l'agneau, mais tu viens pour faire le sacrifice. Mais quand il va dire que c'est toi, qu'est-ce que Isaac a dit? Isaac n'a pas refusé. Il ne peut pas rejeter. C'est le cas de Jésus. Nous viendrons à ce niveau. Maintenant, Isaac a demandé où est l'agneau. Dieu lui montre un bélier. Dieu montre à Abraham un bélier. Est-ce c'est un bélier qu'on doit sacrifier pour ôter le péché de l'humanité? Est-ce c'est un bélier, un agneau physique qu'on doit sacrifier pour ôter le péché de l'humanité? Donc la question d'Isaac n'était pas encore répondue. Quand même que Dieu avait dessiné un bélier pour être immolé provisoirement. Donc la question d'Isaac de connaître où se situe l'agneau qui doit être immolé était toujours dans l'air. En l'air. Dieu n'a pas encore pourvu. Dieu va utiliser les animaux pendant le temps de la loi de Moïse. Quand même que ces animaux étaient sacrifiés, dont le sang était porté une fois par an dans le propitiatoire, sur l'autel saint, Dieu n'avait pas encore répondu à la question d'Isaac. Parce que, selon le décès de prédestination de Dieu, ce n'est pas un agneau physique, matériel, qui doit être sacrifié pour le péché, pour le péché des hommes. En réalité, c'était un agneau spirituel, portant un corps matériel, qui s'introduira dans le monde la deuxième fois pour être sacrifié à la croix pour le salut des hommes. Alors, qui a répondu à la question de Isaac? Amen. C'est Jésus qui est venu répondre maintenant à la question que Isaac avait posée il y a longtemps. Jésus, non, moi je dirais que Jésus, c'est Jésus qui a accompli le dessein de la question, le sacrifice. Oui, mais qui a répondu? Jean 1, 29. Ah, qui a répondu à la question de Isaac? Jean-Baptiste qui a dit le lendemain, Jean-Baptiste a vu Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau. L'agneau que Isaac a recherché. L'agneau que le vrai agneau, qui n'était pas le bélier que Dieu avait montré à Abraham, mais qui était une préfiguration, réalisé lorsque Christ est entré dans le monde pour la seconde fois. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, des siècles avant, Christ avait dit au troisième ciel, il dit, voici je viens. Avec le rouleau du livre, pour accomplir, oh Dieu, ta volonté. En réalité, la volonté de Dieu, depuis les temps anciens, dans l'éternité, est que le Fils, portant un corps matériel, soit sacrifié pour ôter le péché du monde. Mais comme le péché n'était pas au commencement, c'était pas pour le sacrifice, mais c'était pour quoi? Pour la création. Donc Jean-Baptiste a répondu à la question de Isaac. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ça, c'est la seconde introduction du Christ dans le monde. Quelle est la seconde introduction du Christ dans le monde? Lorsque Dieu, qui était avec le Fils de Dieu, qui avait un corps spirituel, va se matérialiser. Lorsque le corps spirituel va entrer dans le ventre de Marie, pour que l'Esprit produise
la sortie du Fils de Dieu, mais selon la chair. Le Fils de Dieu ne soit plus un corps, n'aura plus plutôt un corps spirituel, mais aura un corps matériel. C'est pourquoi il a fallu que le corps spirituel pénètre le ventre de Marie, d'une femme pour sortir corps charnel. Oui, appuyez, expliquez. Je veux aussi rappeler que dans la Bible, nous voyons plusieurs fois comment est-ce que Dieu apparaissait à Moïse. J'aimerais rappeler qu'en réalité, il y a une différence entre apparition et introduction. Voilà. Parce que toutes les fois où Dieu apparaissait à Moïse, où Dieu apparaissait à Jacob, où Jacob luttait avec Dieu, en réalité, c'était des apparitions de Dieu qui ne sont pas des introductions. Voilà. Donc, c'est ce que vous voulez aussi ajouter. D'autres vont poser la question. Mais c'est l'idée que c'est apparu à Abraham. Il y avait un homme qui a lutté contre Jacob. Il y avait un homme qui a apparu et avec Shadrach, Abednego, les quatre. Or, ils étaient trois, ils sont devenus quatre. Mais pourquoi vous dites que c'est lors du temps du salut, lorsque Dieu devait accomplir les prophéties du salut, que le Fils est introduit pour la deuxième fois dans le monde? C'est là que nous disons que les autres étaient des apparitions provisoires qui préfiguraient l'introduction du Christ dans le monde pour le salut de l'humanité. Donc, la seconde introduction du Christ dans le monde, c'est lorsque Christ, Esprit, Fils de Dieu, ayant au troisième ciel un corps spirituel, va porter sur terre un corps matériel physique. C'est là que nous disons qu'il s'agit, l'agneau en réalité, l'agneau qui sera immolé n'est pas l'agneau matériel. N'est pas l'agneau matériel comme un animal, mais c'est un agneau spirituel qui va s'interférer dans un corps matériel et être un corps de chair pour être sacrifié à la croix. Amen. C'est là où nous parlons de la matérialisation du Fils de Dieu, du Christ dans le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. C'est clair. Donc, voilà, en entendant les deux introductions. Ça, c'est, il y a sept, mais voici deux. Donc, nous allons parler de cela. Donc, nous devons comprendre déjà qu'il y a deux introductions. Et chaque introduction a un rôle. La première introduction, c'était pour la création au commencement. La seconde introduction, c'était pour le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le temps dans lequel il s'est introduit pour le commencement, on appelle ça dans les dispensations le temps du commencement. Ou le temps de la création. Maintenant, les apparitions, les préfigurations, les ayons immolés, on appelle ça le temps des préfigurations, des prophéties, des promesses, etc. Mais quand l'agneau entre dans le monde, de nouveau, c'est pourquoi l'Écriture va dire, j'aime la parole de Dieu, j'aime les Écritures. Hébreu va nous dire, voilà, lisez-moi le verset 6. Hébreux 1, verset 6. Verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit... Ou bien lisez le verset 5 d'abord. 5, voilà. Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Voilà, ça c'est lors de l'engendrement à la création, au commencement. Quand vous lisez les Écritures, ne pensez pas que c'est une suite logique successive. Car auquel des anges, tu as-tu jamais dit, tu es mon fils. Parce que Christ a été appelé fils. Donc Dieu s'est appelé fils dans le temps. Tu t'es engendré aujourd'hui. Oui, il a été engendré au commencement. Et là, lorsqu'il a été engendré au commencement, il est devenu fils pour un père. Et le père, c'est Dieu qui est éternel. Et le fils, c'est le Christ entrant dans le monde pour la première fois. Dans la dispensation du temps. Qui est inférieur à la disparition de l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit que le Père est plus grand que le Fils. En réalité, c'est l'éternité qui est plus grand que le temps. C'est le surnaturel qui est plus grand que le spirituel et plus grand que le matériel. Mais nous allons comprendre que dans le monde que tu as créé, ce monde est différent du surnaturel. Le surnaturel, c'est l'éternité où tu existais, non? Christ va être introduit dans les deux mondes, dans deux dispensations. Dans le monde que Dieu a créé au commencement, dont les cieux et la terre font partie, Christ va être introduit dans le monde spirituel comme fils de Dieu, au-dessus de toute création, mais va être encore introduit dans le monde matériel comme fils de Dieu,
avec un corps charnel, amen, avec un corps de chair pour le sacrifice. Amen. Donc, il quitte le monde spirituel, s'interfère dans le monde spirituel. Non, il quitte le monde surnaturel dans l'éternité, la nouvelle Jérusalem, le septième ciel. S'introduit dans le monde spirituel, crée des choses dans le monde matériel. Maintenant qu'il retourne dans sa position dans le monde spirituel, il descend dans le monde matériel pour aller à la croix pour le sacrifice. Amen. Acclame Jésus-Christ. Il est celui qui a été introduit deux fois dans le monde spirituel, dans le monde matériel. Gloire à Jésus. Il a créé l'homme dans le monde matériel. Mais quand il a fini de créer l'homme dans le monde matériel, il est retourné dans le monde spirituel. Que signifie celui qui est monté, qui est descendu? Et qui a rendu les hommes semblables à son image? C'est qui? Nous viendrons à ce niveau. Gloire au Seigneur Jésus. Hébreux 1, verset 6. Voilà. Hébreux 1, 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Voilà. Ça c'est quand? Ça c'est de nouveau, non? Ça c'est la seconde introduction du Christ dans le monde. C'est pourquoi l'Écriture dit que les anges l'ont adoré. Ça c'est le mystère de la piété. Les anges ont vu sa face. Les anges l'adoraient déjà dans l'éternité au septième ciel. Ils l'ont adoré lors de la première introduction du Christ dans le monde, lorsqu'il était allé au troisième ciel. Mais ils l'ont encore adoré sur la terre. Maintenant, qui sont ces anges de Dieu qui doivent l'adorer dans le monde matériel? Nous, nous sommes dans le monde matériel. Nous sommes ces anges, lorsqu'il a été introduit dans le monde matériel, qu'il adore aujourd'hui en esprit, en vérité, parce qu'il a été monté au monde spirituel. Amen. Nous allons continuer. Ça, c'est une autre révélation. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, nous avons déjà posé le fondement. Deux introductions du Christ dans le monde. N'est-ce pas? Quand l'Écriture dit que Dieu a créé l'homme à son image, savez-vous qu'il y a un mystère? Il a fixé les temps avec le Fils de l'homme, a fixé les temps, il a fixé les endroits géométriquement parlant, il a aussi créé l'homme à son image. Mais celui qui a créé l'homme à son image est d'abord l'image qu'il a attribuée à l'homme. S'il n'est pas lui-même l'image qu'il a attribuée à l'homme, comment l'homme pourra être à son image? Or, l'homme est comment? L'homme est homme. L'homme est homme. Et celui qui a créé l'homme à son image, si l'homme a reçu l'image d'homme, celui qui a créé l'homme à son image est qui alors? Il est qui? Ah, il est un homme. Acclame Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. C'est clair? Par exemple, j'ai créé Ezra à mon image. Alors, Ezra a reçu mon image. Donc, si Ezra est celui qu'il est, en réalité, c'est moi. C'est mon image, là. Donc, si le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, plutôt, a créé l'homme à l'image de Dieu, en réalité, l'image que l'homme a reçue, qui fait de l'homme homme, vient du Fils de l'homme. Donc nous pouvons dire que l'homme a reçu, oh là là, l'homme a reçu trois types de reflets, de dimensions qui montrent qu'il a reçu l'image de Dieu. L'homme a reçu la dimension invisible, la dimension de l'invisible au-dessus de l'invisible. L'homme a reçu la dimension de l'invisible dans la visibilité. Et l'homme a reçu la dimension du matérialisme. Gloire à Jésus. De la matérialisation. Oui. Quel est l'invisible de l'invisible qui est dans l'homme? L'esprit. Quel est l'invisible du visible qui est dans l'homme? L'âme. Quel est alors le visible de la matérialisation qui est dans l'homme? Le corps physique. Or, nous disons que Christ habite dans le monde surnaturel, le monde spirituel et le monde matériel. Et c'est celui qui était dans le monde surnaturel qui est descendu dans le monde matériel, créant l'homme, qui est remonté dans le monde spirituel sur le trône de la gloire et qui est descendu du monde spirituel pour venir dans le monde matériel à la croix. Ayant accompli le là à la croix, il a quitté le monde matériel pour retourner au monde d'abord au monde surnaturel pour aller valider le sacrifice comme souverain sacrificateur. Il est descendu du monde surnaturel, il a encore porté un corps, il est revenu dans le monde matériel à
après le monde matériel, il a été glorifié au monde spirituel. Alors, si nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous sommes à la ressemblance de Dieu, en réalité, nous avons Dieu en nous. Nous avons aussi l'homme en nous. Or, quand Jésus était sur terre, Jésus avait une âme et un corps. Alors, nous avons aussi une âme et un corps avec un esprit divin que le Fils de Dieu va souffler en nous. C'est là que nous parlons que, en réalité, pourquoi nous sommes hommes, c'est parce que le Fils de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est entré dans le monde pour la première fois, s'est fait fils de l'homme pour que nous aussi, nous soyons aussi quand même fils de Dieu en esprit, mais aussi des hommes. Donc, le premier homme est Adam. Est-ce que c'est le premier homme qui est Adam? Non. Le premier homme, c'est qui? C'est Christ. Ah, beaucoup sont étonnés. Le premier homme est-il Adam selon l'explication? Non. Le premier homme, c'est Christ. Or, en réalité, pourquoi les gens vous disent, mais pourquoi il dit Christ? Ce n'était pas Jésus. Non. Le nom Jésus, c'est la même personne. Le nom Jésus n'était pas encore révélé lorsque, dans les dispensations antérieures, avant le temps du salut. Quand est-ce que le nom Jésus a été révélé pour la première fois? Le nom Jésus a été révélé pour la première fois lorsque l'ange va parler à Marie. La Vierge enfantera un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En réalité, Jésus est la manifestation, la matérialisation du Fils de l'homme qui était le Fils de l'homme spirituel, le Fils de Dieu en esprit qui est venu dans le monde pour le salut de l'humanité. Donc Jésus existait depuis la création, mais pas avec ce nom. C'est lui Christ, le Fils de Dieu, l'homme spirituel qui a créé l'homme à son image. Donc l'homme est à l'image de Dieu, à l'image du Fils de Dieu et à l'image de l'homme spirituel. Mais l'homme spirituel créant l'homme à son image a créé l'homme avec une âme et un corps pour que l'homme soit matériel. Ça, c'est le mystère. Comment l'invisible dans le matériel peut toucher le matériel? Ça, c'est l'omnipotence de Dieu. C'est là, nous disons que le Christ qui était entré dans le monde pour la première fois, qui est en réalité la parole engendrée, le Fils de Dieu, quand on dit Fils de Dieu, c'est la parole, mais pas encore faite chair, qui s'est fait chair au temps du salut, c'est lui-même qui est homme avant de créer l'homme à son image. Ah. C'est ça l'homme, le mystère de l'homme spirituel. L'homme spirituel. Quand on dit l'homme spirituel, c'est Jésus. Donc Jésus est le premier homme dans le monde avant Adam. Adam, le premier homme au-dessus de tous les hommes, est l'homme qui est capable de créer un autre homme à son image et qui est capable de se lever au-dessus de cet homme. C'est pourquoi nous disons que quand Jésus a fini d'opérer, lorsqu'il était Christ, lorsque son nom n'était pas encore révélé, parce que c'est le même Dieu. En ce temps, Jésus n'était pas encore connu. Mais c'est Christ homme. Christ fils de Dieu, Christ homme. C'est les deux facettes. Christ fils de Dieu, Christ fils de l'homme. Donc quand le fils de Dieu ou le fils de l'homme, le fils de Dieu, pourquoi? Il a de la nature de la parole à l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous croyons au fils de Dieu, nous recevons la nature de la parole de Dieu qui consiste à la justification, qui consiste aussi, voilà, la justification, qui consiste aussi à la glorification lors de l'enlèvement de l'Église. Mais en réalité, la nature du fils de l'homme ne consiste pas à la glorification ni à la justification, mais la nature du fils de l'homme consiste en quoi? Consiste à être semblable à Jésus-Christ homme. Donc ce qui veut dire que pourquoi Jésus, le Christ s'est fait homme d'abord avant de nous créer? Pour que nous puissions avoir les sentiments qui étaient en Jésus lorsqu'il est venu dans le monde au temps du salut pour la croix. Or, en réalité, ce Jésus étant le Christ lors de sa première introduction dans le monde n'avait pas reçu ce nom. Jésus n'était pas encore révélé. Pourquoi? Parce que le mystère de Dieu était caché aux hommes depuis les âges à cause du péché. Même avant le péché, Dieu n'avait pas voulu que ce nom soit révélé. Pourquoi? Pourquoi ce nom n'était pas révélé? Parce que le nom de Jésus, c'est un nom qui sauve.
Or, ce n'était pas le temps du salut, mais le temps de la création. Donc, il a reçu la gloire qui émane de la puissance de la création au commencement, mais pas encore le nom Jésus. Car les prophètes l'ont recherché, les prophètes ont sondé le nom, mais en vain. Ils ont dit, dans Joël va dire, dans le livre de Joël 2, « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Mm-hmm. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. » Oui, c'est bon? Oui, Joël 2, 32. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, c'est Joël 2, 32. Voilà, relis ça, relis ça. La Bible dit ceci. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Est-ce que le nom était révélé? Non. Quel est le nom de l'Éternel? Zacharie 10, 13, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Non, 19. Mm-hmm. Zacharie 19, c'est quoi? Mm-hmm. Le nom de l'Éternel sera révélé partout la terre, sur toute la terre. Mm-hmm. Et ce sera le nom, le seul nom qui sauvera. Mm-hmm. Alors, la Bible dit dans Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Colossiens 3, 17 nous dit, quoi que nous fassions en parole, en action, fais tout au nom du Seigneur Jésus. Donc c'est le nom du Seigneur Jésus qui est le nom qui sauve. Mais lorsque Dieu devait créer, voilà, on viendra à ce niveau, c'est là même le haut niveau. Mais lorsque Dieu devait créer toute chose et que Christ a été introduit dans le monde, ce n'était pas pour le salut. C'est pourquoi il n'avait pas porté le nom de Jésus. Or, pendant même lorsque les agneaux étaient immolés, ces agneaux n'étaient pas encore la réalité même de l'agneau parfait. Car l'agneau parfait devait être semblable matériellement aux hommes, puisque Adam était un homme dans la matérialisation, mais il a été déchu de la gloire de Dieu. Il faut que le Fils de l'homme, qui était spirituel, étant le Fils de Dieu, introduit dans le monde la première fois, soit aussi dans la matérialisation. De la même manière que nous qui étions pécheurs par le péché d'Adam sommes dans la matérialisation. C'est ça l'Écriture dit, il s'est rendu semblable aux hommes. C'est lorsque il est entré dans la matérialisation, le Fils de l'homme a porté le nom Jésus pour le salut de l'homme. C'est pourquoi on dit que Jésus est le Christ et que le Christ est l'œuvre de Dieu dans les dispositions. Donc depuis le temps du salut où Dieu est venu en chair pour sauver les hommes par Christ, il a porté le nom Jésus jusqu'à la rétablissement, jusqu'au rétablissement de toutes choses. Or, le rétablissement de toutes choses n'est pas encore venu. C'est pourquoi nous sommes en cours pour le rétablissement de toutes choses. Tout sera totalement rétabli à la fin du millénium par le jugement dernier et nous irons dans l'éternité. Par cette explication, nous venons de comprendre clairement que le Fils de l'homme, c'est lui qui a créé l'homme à l'image de Dieu. Parce que Dieu qui est la parole dans l'éternité a engendré cette parole dans le temps. Et cette parole, étant fils de Dieu, va aussi porter un corps spirituel. Or, le corps spirituel était en réalité une silhouette humaine. Le corps spirituel, en réalité, était une silhouette humaine. C'est pourquoi on parlait de l'homme, on parle de l'homme spirituel qui va créer l'homme matériel à l'image de l'homme spirituel. C'est pourquoi Adam avait l'esprit en lui et avait aussi l'âme et le corps. Pourquoi l'âme et le corps? Car Christ viendra dans le monde plus tard au temps du salut portant une âme et un corps, mais l'esprit dans le corps. Gloire à Jésus. Donc nous sommes créés à l'image parfaite de Dieu. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, lisons maintenant selon le mystère du couronnement du Fils de l'homme, lisons Philippiens 2 à partir du verset 5. Peuple de Dieu, suivez très bien. Nous sommes venus à une époque très, très, très fondamentale et importante de notre méditation, de notre enseignement. Philippiens 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé. Ah, voilà, on commence. Beaucoup, nous avons l'interprétation sur ce verset comme si c'est simplement lorsqu'il voulait aller à la croix. Je le dis en vérité, ce verset, nous ne pouvons pas l'interpréter seulement à base de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Parce que ce n'est pas à la croix qu'il s'est introduit dans le monde, mais il s'est introduit dans le monde lors du commencement.
Et après le commencement, il s'est introduit de nouveau dans le monde lorsque qu'il voulait sauver les hommes. On a lu ce verset dans Hébreux. Il s'est introduit de nouveau dans le monde. Alléluia. Donc si Dieu s'est introduit deux fois dans le monde, ça montre que s'il s'est humilié allant à la croix, ce n'est pas simplement pour la croix qu'il s'est humilié, mais il s'est humilié deux fois. Dieu s'est humilié deux fois devenant semblable aux hommes. Comment? Nous verrons cela dans l'explication. Reprenez Philippiens 2, le verset 5. Verset 5. Ayez en vous les sentiments. Ayez en vous les sentiments. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? En ce temps, ici on dit Jésus-Christ, c'est parce que l'apôtre Paul a eu la révélation que c'est Jésus. Et c'est tout nous. Jésus a été le don qui a été donné pour être sauvé. Mais nous pouvons dire que ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Parce que le nom Jésus n'était pas révélé lors du commencement pour la création. Car le nom Jésus est Dieu qui sauve. Or, ce n'était pas pour le salut, mais c'était pour la création. Alors, nous disons, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Quelle est l'existence de la forme de Dieu? La parole de Dieu. L'Écriture dit dans Jean 1, 1 que la parole était avec Dieu, que la parole était non Dieu, avec Dieu. Cela veut dire que le Jésus-Christ, en réalité, de toute éternité, lorsqu'il était introduit au commencement, existait en forme de Dieu. Car la forme même de Dieu par laquelle il créa toute chose dans la visibilité, dans le temps, est la parole. Mais la parole qui a été engendrée a porté un corps spirituel. Continue la lecture. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie. Celui qui existait en forme de Dieu n'a point regardé. Le Christ en forme de Dieu par la parole n'a point regardé comme une proie. La parole est Dieu, n'est-ce pas? N'a pas regardé comme une proie. A arraché d'être égal avec Dieu. A arraché d'être égal avec Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a quitté l'éternité pour entrer dans le temps, lui qui est égal à Dieu, qui est Dieu, qui est en Dieu dans l'éternité, il n'a pas regardé comme la parole est Dieu, est égal à Dieu, je vais demeurer là-bas, je ne vais pas descendre. Non, je m'humilie malgré que moi, Christ, je sois la parole pour le commencement, pour pouvoir créer l'homme à mon image. Pour que l'homme soit homme, je dois m'humilier. En tant que parole de Dieu, là, ça ne suffit pas. En tant que parole engendrée, ça ne suffit pas. En tant que Christ dans l'éternité, ça ne suffit pas. En tant que parole engendrée, ça ne suffit pas. Je dois devenir quoi pour pouvoir créer l'homme à l'image de Dieu? Quoi? Qu'est-ce que je dois devenir? Homme. Homme spirituel. Continue. Nous disons, là, moi, je vois aussi par la queue. Là, je vois aussi par là. Si Dieu s'est humilié lui-même pour venir afin de pouvoir créer l'homme, afin de pouvoir réaliser l'homme à son image et à sa ressemblance, je vois que le sentiment qui était en Christ, c'était d'abord l'humilité. Donc, si Dieu va nous réaliser, bien, va nous former, il va nous former dans l'humilité. Donc, nous devons être des hommes qui devait avoir les sentiments qui étaient en lui pendant qu'il est en train de nous créer, pendant qu'il est en train de nous former. Donc nous disons, les hommes que nous sommes aujourd'hui, nous sommes des hommes créés par l'humilité. Créés par l'humilité. Voilà, donc, en résumé, pour ne pas aller loin, parce qu'il doit laisser la parole à docteur, pour ne pas tout dire. Oui. Donc, en résumé, je dirais que Christ était dans une pensée d'humilité, pour venir déposer en nous cette humilité, voilà. Et a fait de nous des hommes humbles. Gloire à Jésus. Maintenant, comment il va faire des esprits? Voilà, quand on dit nous, c'est les esprits. Nous étions esprits dans l'éternité, dans le septième ciel, avec Christ. Lui-même est éternel. Donc, Christ va faire quoi? Christ, lorsqu'il entre au commencement, étant la parole de Dieu dans l'invisibilité, dans la pensée, mais devient la parole de Dieu engendrée. Donc il s'est humilié lui-même en devant d'abord fils de Dieu. Mais fils de Dieu, ça ne suffit pas. Ce n'est pas encore la position de l'humilité totale. Fils de Dieu, c'est encore Dieu. Fils de Dieu, c'est encore la parole engendrée. Fils de Dieu est tiré de Dieu. Mais pour qu'il fasse des esprits célestes que nous sommes, qui étions avec lui dans l'éternité, des hommes semblables à la matérialisation, il doit devenir homme. L'humilité au niveau du Fils de Dieu ne suffit pas pour que l'homme soit à l'image complète de Dieu. L'image de Dieu, c'est d'abord la parole du Fils de Dieu.
Dieu. Mais l'homme est à l'image de Dieu, doit aussi rester sur terre. Donc Jésus, donc le Christ, entrant dans le monde pour la première fois, a aussi porté un corps spirituel avec une silhouette humaine. C'est cette silhouette humaine que nous appelons Jésus-Christ, homme, étant le Fils de Dieu avec un corps spirituel. Donc, pour créer l'homme à l'image, à son image, il s'est humilié lui-même. Donc, je suis le reflet de l'image de Dieu. Et je suis le reflet de l'humilité de Christ qui s'est fait homme pour que je sois homme. Acclame Jésus-Christ. Merci. Si Christ ne s'est pas fait homme, je ne serai jamais homme. Parce que moi-même, j'étais esprit dans l'éternité. Et celui qui est au-dessus de moi va s'humilier et se rendre semblable à ce que je devais être lors de la création. Et comme il m'a dévancé, étant fils de Dieu, la parole, la forme de Dieu, il s'humilie en devenant lui-même un homme spirituel. Pour que moi, j'ai son image, non seulement spirituelle, mais aussi matérielle, pour demeurer dans le jardin d'Éden. Ça, c'est avant le péché de l'homme. L'humilité. Comment Dieu, qui est le Père de tous, va s'humilier, devenir un simple homme pour me créer? Oh, aujourd'hui, nous voulons nous élever. Nous voulons cultiver l'orgueil. Nous pensons être au-dessus même de Dieu. Qui sommes-nous? Il nous a rabaissés. Lui-même d'abord a été rabaissé pour que nous soyons rabaissés. Parce que nous étions tous ensemble au septième ciel, dans l'invisibilité, en esprit. Christ est au-dessus de nous, nous étions des esprits créés. Parce que Christ existe de toute éternité, il va nous créer au septième ciel et nous mettre. C'est ça, on parle des esprits, des souffles. Il va souffler le souffle en nous pour que nous portons une âme et un corps. Mais s'il n'a pas l'image de l'homme, s'il n'a pas une silhouette humaine, comment nous pouvons avoir l'image humaine? Quand même étant des hommes spirituels, mais des hommes matériels, mais avec un esprit venant de Dieu. Ça, c'est l'humilité. L'humilité au bon niveau. Dieu va quitter le ciel pour venir créer l'homme et l'introduire pour donner la royauté sur la terre. C'est pas simplement la croix, hein. C'est au commencement d'abord à la création. Lors de la première introduction de Christ dans le monde. Donc Christ s'est introduit dans le monde, a été tellement humble. C'est Dieu, mais il s'est humilié, devenu semblable aux hommes. C'est un mystère. Nous devons glorifier Dieu pour ça. Le même qui était élevé au-dessus de tous les cieux, le même s'est rendu soumis, inférieur à toute cette gloire pour pouvoir nous donner sa nature. Christ s'est fait homme afin que nous soyons hommes. Lui qui est Dieu s'est fait fils de Dieu. Mais étant fils de Dieu, ça ne lui suffit pas encore. C'est encore Dieu. Il dit non, je ne suis pas encore tout prêt totalement. Je ne serai pas seulement fils de Dieu. Mais je dois devenir homme pour que les esprits qui étaient en Dieu soient hommes matériellement. Alors, si Christ n'était pas homme, je n'allais jamais vivre sur terre. Quel privilège. Acclame Jésus-Christ. S'il n'avait pas abaissé le septième ciel dans le troisième ciel, ni dans le monde matériel, le jardin d'Éden n'allait pas exister au commencement. Mais comme l'homme a péché, celui qui s'est humilié au commencement va encore s'humilier de nouveau et va encore aller à la croix pour opérer une autre œuvre, le sacrifice. Alléluia. Il s'est humilié deux fois. La première fois dans le monde, à sa première introduction dans le monde, pour la création de l'homme, en devenant un simple homme. Dieu est devenu homme, esprit, pour créer l'homme à son image. En deuxième position, il est devenu homme matériel. En réalité, la première introduction du Christ dans le monde, pour le commencement de la création, est l'ombre de la seconde introduction du Christ dans le monde. La seconde introduction du Christ dans le monde est la réalité. Alors, nous devons avoir le sentiment qui était en Jésus, lors de sa seconde introduction dans le monde. Si celui qui était Dieu s'est humilié lors du commencement
pour nous créer, quel est ce sentiment? Humilité. Nous devons avoir l'humilité. Quiconque s'élèvera sera rabaissé. Quiconque s'élèvera sera abaissé par Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même, voyant sa gloire, s'est abaissé au-dessous de son trône. Pour que nous les hommes soyons créés, pour que nous existons et soyons aussi à son image. C'est pourquoi l'Écriture dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais quoi? Dieu qui voit qui est Dieu s'est dépouillé lui-même. Oh là là! Il s'est dépouillé lui-même. Ça, c'est le transfert de la dispensation de l'éternité dans le temps. Mais après, le transfert du Père, non, la sortie du Fils du Père, ça c'est le transfert du pouvoir du Père au Fils. La sortie maintenant du Fils pour le Fils de l'homme. Là, le transfert du pouvoir du Fils de Dieu au Fils de l'homme. Et Jésus-Christ est Père, Fils, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Gloire à Jésus. Donc il n'était pas Fils de l'homme quand il est venu dans le monde, il est né de Marie. Il était Fils de l'homme avant la création de l'homme, avant la création des cieux et la terre. C'est clair, hein? C'est clair. On continue. Voilà, l'humilité précède la gloire. Nous avons foi, hein? Comme Jésus s'est humilié là, il a été glorifié deux fois. Waouh! On va lire les versets, vous allez voir qu'il est Dieu. C'est ça le mystère du couronnement. Vous ne pouvez jamais couronner sans l'humiliation. Maintenant, c'est nous-mêmes qui devons nous humilier d'abord. Mais si nous refusons l'humilité, Dieu va nous humilier. Et nous serons obligés de nous humilier nous-mêmes pour être couronnés. L'humilité précède la gloire. Il a donné l'exemple palpable. Comme le diable était Lucifer au ciel, au septième ciel, dans les perfections invisibles avant, il voulait être élevé, il voulait lever son trône au-dessus même de Dieu. Mais Dieu avait quoi? Dieu va la baisser au-dessous, même du troisième ciel, même il va le baisser ça dans la terre. Aujourd'hui, il ne peut plus monter depuis que Christ a été à la croix. Gloire à Jésus. Donc, l'Écriture dit clairement quoi? Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il nous a servi. Il est devenu homme spirituel pour nous servir, pour que nous soyons hommes. Donc le premier homme en réalité n'est pas Adam, mais le premier homme c'est Christ fait homme, que nous appelons Jésus-Christ au temps du salut, au temps de la grâce. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas vu sa position étant Dieu, mais il s'est fait fils de Dieu. Après fils de Dieu, il s'est fait homme spirituel pour créer l'homme à l'image de Dieu. Et après cela, il s'est fait encore homme matériel pour aller à la croix. Donc vous voyez le symbolisme de Dieu. Quand il s'est fait homme spirituel, ça c'est la première introduction de Christ dans le monde. C'était pour créer l'homme à l'image de Dieu. C'est pourquoi l'homme spirituel était l'homme sans péché. D'abord, l'homme sans matérialisation de corps physique. Parce que Adam devait rester dans cette nature, étant créé à l'image de Dieu, sans péché. Mais comme l'homme a péché, l'homme spirituel va porter un corps matériel pour être sacrifié à la croix. Afin que, par son sacrifice, par ses maîtrises, nous soyons guéris et que nous soyons à son image. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Philippiens, nous continuons. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc il nous a servi avec un corps d'homme, mais il était spirituel, pour que nous soyons hommes. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Un simple homme. Comment le Dieu qui est au ciel va venir dans le monde matériel qu'il a créé au jardin et mettre, introduire l'homme même dans le jardin? Comment il va venir plutôt dans le monde, créer l'homme et mettre dans le jardin, dans la matérialisation? Gloire à Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. En devenant semblable aux hommes et ayant, voilà, il s'est rendu semblable aux hommes avant de créer les hommes. Parce que les hommes, l'image que les hommes devaient avoir était dans sa pensée, dans l'éternité. Donc il s'est rendu semblable à cette image, mais spirituellement, pour que dans la visibilité, l'homme paraisse à l'image à laquelle
il devait être destiné. C'est clair? Gloire à Jésus. Il s'est, voilà, 8. Il s'est humilié lui-même, Philippiens 2, 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, on a vu la première introduction du Christ dans le monde, la première humilité du Christ dans le monde, et nous voyons maintenant la seconde humilité du Fils dans le monde. Sa seconde fois, c'est quand même qu'il s'est humilié. Voilà, je vous explique d'abord ce mystère. Quand, c'est toujours le mystère du couronnement. Quand il s'est humilié, il s'est rabaissé, il a fini la création là. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu va le couronner au-dessus même des hommes. Dieu va le couronner au-dessus des hommes. Quand il a fini de créer l'homme, l'homme est la dernière création. Non? Quand il a fini de créer l'homme là, Dieu va l'élever au troisième ciel. Au-dessus des hommes. Dieu va donner à Christ, qui s'est fait homme spirituel pour que l'homme à l'image, par son humilité, Dieu va lui donner le don de la gloire. Donc l'homme, oh là là, il est Dieu déjà dans l'éternité. Mais le Fils de Dieu, Dieu dans un corps spirituel, étant humilié, semblable aux hommes, étant devenu un simple homme spirituel, va être glorifié au troisième ciel qui fait partie du temps des créations. De la même manière que tu t'es humilié, te rendant inférieur, venant sur la terre, parce que c'est sur la terre qu'il a créé l'homme à l'image de Dieu. Tu as quitté même, tu as traversé, tu es venu sur la terre, je vais te positionner au lieu le plus élevé, au-dessus même de la terre. Or, quand nous parlons de terre, nous parlons de la terre sablonneuse physique et aussi du second ciel, des choses au-dessous du second ciel. Donc, il va le positionner au troisième ciel pour être au-dessus de la terre. Parce que tu t'es humilié, tu t'es rendu semblable aux hommes à la terre, je te rendrai élevé, je te lèverai au-dessus des hommes pour que tu sois celui qui conduit les hommes, pour que les hommes te respectent pendant un temps jusqu'à la fin des temps. La trompette au jour de l'enlèvement, c'est là la réalisation de l'élévation que Dieu est pour nous. Pour nous, voilà le fait que nous sommes acceptés, nous avons accepté, nous humilier, venir habiter sur la terre. Dieu va nous récompenser en nous élevant le jour de la trompette. Voilà. Et c'est là que nous allons. Micro. Le Seigneur va nous couronner pour la toute première fois, de la même manière qu'il a fait pour le Seigneur quand il était venu et créer les choses. Voilà. Voilà, nous venons à ce niveau aussi. Amen. Donc, comme Christ s'est humilié, l'humilité oblige. Si nous ne nous humilions pas à ce temps de la fin, les jours sont comptés. Si nous ne nous humilions pas, si l'humilité ne revient pas dans les hommes, les jours sont comptés. Pourquoi je dis cela? C'est par l'humilité que nous allons grandir. Nous aurons des jours nouveaux. C'est par l'humilité que Christ s'est rassasié des jours. Oh, c'est mystère, nous viendrons à ce niveau. C'est par l'humilité que Christ a vu des jours nouveaux s'accroître dans les dispensations. C'est par l'humilité que Christ a rassasié son âme. C'est par l'humilité que Christ a été élevé à la position la plus élevée dans la spiritualité. Si nous, les hommes, nous ne nous humilions pas, nos jours sont comptés. Nos jours sont comptés. Et la fin de toutes choses est proche. Humilions-nous. L'Écriture dit, soyez sous la main de Dieu. Et au grand jour, humiliez-vous sous la main de Dieu. Et au grand jour, vous élèvera. Humiliez-vous. Humiliez-vous et Dieu vous élèvera. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Christ ne s'est pas élevé, mais Christ s'est rabaissé. Il s'est abaissé comme un homme. Waouh, comme un simple homme. Et de la même manière qu'il s'est abaissé comme un simple homme pour me créer, il a été aussi élevé dans la gloire. Nous notons ça. L'Écriture, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Quand même que Jésus-Christ, homme spirituel, va se manifester en tant que Jésus-Christ, homme physique, dans la matérialisation. Lorsque le Fils de l'homme va se manifester dans la chair, c'est-à-dire lorsque Christ va s'introduire deuxièmement dans le monde, lorsque la parole prendra chair, ce sera le début du temps du salut, lors du dévoilement du rouleau du livre. Mais à la croix, étant humiliant, même il va porter le même corps matériel qu'il a donné à l'homme. Ça, c'est le gros niveau de l'humilité.
Il ne s'est pas arrêté à son corps spirituel, à son être spirituel humain, mais il viendra encore sur la terre. Il va participer encore à la corruption. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères, d'appeler Pierre ses frères, d'appeler Judas ses frères, d'appeler les frères, les hommes, frères. Il n'a pas honte de les appeler frères. L'Écriture le dit, mais il s'est rendu semblable à eux. Oh, vraiment, quelle humilité. Quelle humilité du Christ. Quelle humilité. Peuple de Dieu, as-tu l'humilité? Toi qui m'écoutes, as-tu l'humilité? Est-ce que tu laisses le privilège que tu as pour t'abaisser? L'humilité est le facteur qui m'amènera, nous amènera au ciel. C'est ça l'humilité qui a amené Jésus au ciel. C'est, oh, c'est un mystère. C'est l'humilité qui a amené le Christ homme au ciel. Quand je parle du ciel, je parle du troisième ciel. Puisqu'il était dans le ciel, au lieu éternel dans les perfections invisibles. Parce qu'il a été rabaissé. Il a été rabaissé dans le monde matériel pour former l'homme à son image. Il a aussi été élevé au troisième ciel, au-dessus de l'homme. Je viendrai à ça, je vous donnerai ce verset. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Oh, beaucoup voyaient Jésus manger avec les pharisiens, manger avec les riches, manger avec les voleurs. Et beaucoup disent, mais hein, le fils de l'homme est venu manger en buvant. Et vous dites que vous dites qu'il s'est corrompu. En tout cas, mais dit la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Quelle est la sagesse? L'œuvre de la sagesse, c'est l'humilité du Christ devenant homme pour créer l'homme et devenant homme matériel, homme spirituel pour créer l'homme, devenant homme matériel pour être crucifié, pour sauver l'homme. Et c'est quand il veut être crucifié à la croix qu'il a porté le nom Jésus, Dieu qui sauve. Par son humilité, il a opéré deux grandes œuvres. Par son humilité, il nous a créés. Par son humilité, lorsque nous avons péché, il nous a sauvés. Est-ce qu'il a obligé de nous créer à son image? Puisque nous étions esprits. Il nous a introduits dans le monde matériel. Pour que nous puissions dominer. Pourquoi nous avons été créés à l'image du Christ homme? Pour que nous puissions dominer sur la créature. Si nous n'étions pas à l'image du Jésus-Christ homme, du Christ homme, nous ne pourrons jamais dominer sur la création. Il s'est humilié, nous donnant le pouvoir d'assujettir toutes choses. Pour que nous soyons le premier d'entre les toutes créations dans la matérialisation. Mais lui qui est le premier dans toute création du monde spirituel et matériel. Donc, dans la matérialisation, il nous a donné l'autorité d'être le chef suprême et de dominer sur toutes choses créées dans la matérialisation. Or, quand on parle de matérialisation, il y a terre. Donc, sur la terre, dans la terre, nous sommes les chefs. Mais dans le monde spirituel, surnaturel, il est celui qui domine. Dans le monde surnaturel, il domine. Par son humilité, puisqu'il est venu dans notre monde matériel, il a fait de nous des hommes semblables à lui. Il a été élevé au-dessus de nous au troisième ciel, dans le monde spirituel, dans le lieu le plus élevé dans le monde spirituel au troisième ciel, triomphant de toutes choses, il nous donnant le pouvoir de dominer sur toutes choses. Adam a perdu cette autorité. Adam a perdu ce pouvoir. Imaginez que Adam, le premier homme, a perdu. Il tue les animaux pour préférer l'agneau sans tache immolé. Mais, quand il est revenu, il n'a pas vu le péché de l'homme. Comment je vais m'humilier, moi, Dieu, devenir un homme, te créer, tu vas pécher. Là, tu vas dans la perdition. Je te livre au feu éternel. Mais, quand même que les hommes mouraient, il ne les condamnait pas. Mais, ils étaient séparés de Dieu. Ils étaient éloignés de Dieu. Il a fallu que Jésus, homme, aille à la croix. S'humilier lui-même, devenant un simple homme. Alléluia. Acclame Jésus. Le Christ va s'humilier, devenant un simple homme. Un simple homme. Un simple homme. C'est l'humanité de Jésus qui nous a sauvés. La dignité, la dignité du Christ nous a prédestinés. La dignité du Christ nous a prédestinés. Est-ce que vous comprenez? La position d'enchantement du Fils nous a donné l'image de Dieu. Mais, parmi tout et en tout, c'est l'humilité du Christ en tant qu'homme qui nous a sauvés. Alléluia. C'est l'humilité qui m'a sauvé. C'est l'humilité de Jésus qui m'a sauvé. C'est l'humilité du Christ devenu un simple homme qui nous a sauvés. Car l'Écriture dit, il s'est rendu homme.
Il s'humilia lui-même jusqu'à la mort de la croix. Oh là là. Acclame encore Jésus. Oh, acclame Jésus. Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Je lis. Oui. Il a plu à l'Éternel. Il a plu à l'Éternel. De le briser par la souffrance. Regardez, est-ce que toi tu es brisé? Est-ce que nous sommes encore brisés? Est-ce que les chrétiens, ceux qui sont au programme chrétien aujourd'hui, sont brisés? Il a plu à l'Éternel de briser qui? De briser le Christ homme qui a été appelé Jésus depuis le temps du salut. Il a plus à l'Éternel de le briser. Par la souffrance. Waouh. Oui. Par la souffrance de Jésus à la croix, nous avons reçu le brisement. Si tu comprends l'humilité qui est cachée dans l'œuvre de la croix, tu ne peux jamais être orgueilleux. Tu ne peux jamais être orgueilleux. Tu seras brisé. Tu verras que tu ne peux rien, que tu n'as aucune force, que c'est Jésus qui a été humilié, brisé à ta place. Et en recevant Jésus, tu supportes le châtiment de Jésus. Or, ce châtiment n'est plus un châtiment de violence, de destruction, de rage, de colère, un châtiment de paix qui nous donne la paix et la vie éternelle. Il dit, mon fardeau est léger et je donne à celui qui veut. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et ce repos, c'est la vie. Continuez. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il aura une postérité. Il a livré sa vie en sacrifice. L'Écriture dit quoi? Puisqu'il s'est humilié, livrant sa vie en sacrifice, il verra une postérité. J'ai dit quoi? Si nous ne sommes pas humbles, nos jours sont comptés. Nous ne pourrons jamais vivre longtemps dans l'orgueil. Ou soit nous vivrons longtemps, mais nous ne vivrons pas éternellement. Celui qui est orgueilleux ne vivra pas longtemps. C'est pourquoi, si nous ne sommes pas humbles, nos jours sont comptés. Je le dis en vérité, ce n'est pas pour faire mal à quelqu'un, mais c'est pour dire la vérité. L'humilité est la voie du salut. C'est l'humilité qui t'amènera au ciel. Mais si tu t'appuies sur tes propres œuvres, tu n'es plus humble. Donne à Christ d'appliquer le brisement qu'il a reçu du Père. Vous parlez du Christ homme. Pour que tu sois aussi semblable à Jésus quand il était homme. Nous devons avoir les sentiments de Jésus-Christ. L'humilité. Les sentiments de Jésus qui a quitté son trône de gloire. Qui a dit, laissez, je vous laisse le trône de gloire. Et quand il l'a fait, Dieu l'a glorifié. À chaque fois qu'il se nourrit, Dieu l'élève. Et Dieu lui donne des jours nouveaux. Lisez, Jésus homme vivra longtemps. C'est pourquoi, oh là là, lisez l'Écriture, je vais vous donner ce mystère. Lisez. Il verra une postérité. Il prolongera ses jours. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Comment? Nous disons que Jésus est le nom que Christ a reçu du temps du salut jusqu'à la fin de tous les temps. Alors, Jésus ne s'arrêtera pas à la fin de la mort, à la croix. Parce qu'il s'est humilié lui-même, il aura une postérité pérenne des jours qui dureront jusqu'à la fin de tous les temps. Wow. Les temps aussi passeront là maintenant. Il entrera dans son éternité. Qu'il avait quitté avant de venir créer toute chose dans le monde visible. Tu vois. Alors c'est justement. Parce qu'il s'est humilié, il aura des jours prolongés. Est-ce que toi tu es humble? Est-ce que nous sommes humbles à l'image de Jésus? Nous voulons être humbles. Celui qui est humble oublie toute chose. Il supporte les châtiments avec amour, avec persévérance. L'humilité. Comment Dieu va changer des fonctions? Dieu qui est éternel va rentrer dans le temps. Ça, c'est l'humilité. Donc, comment les jours de Christ ont été prolongés depuis le temps du salut? C'est lorsqu'il a porté le nom Jésus et s'est humilié. Or, Jésus, c'est un nom d'homme. Beaucoup d'hommes s'appellent Jésus, mais il a porté un nom d'homme. Et ce nom d'homme signifie Dieu sauve. À cause de ça, Dieu prolongera sa postérité. Quelle est la postérité du Fils de l'homme? Nous qui croirons en Jésus-Christ. Donc tous ceux qui croient en Jésus sont la postérité de Jésus. Et tous ceux qui sont humbles vivront longtemps et éternellement avec Jésus dans le temps présent, dans le siècle à venir. C'est pourquoi, depuis le temps du salut, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont aussi humbles. Et Jésus-Christ est humble depuis le temps du salut.
Et aujourd'hui, il est dans la gloire, mais il attend que nous soyons aussi sauvés pour entrer dans l'humilité. À cause de son humilité, qu'elle est partie au septième ciel après sa mort, il est encore revenu. Sinon, il allait rester pour dire, je suis Dieu, non? Il est encore revenu pour que nous soyons tous sauvés. Et pourtant, la Bible dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Éternellement. Je dis que celui qui croit en Jésus aura des jours éternels. Aura des jours éternels à cause de son humilité, car l'humilité est cachée en celui qui, en qui il a cru. Voilà. De la même manière que Jésus s'est humilié, le Christ s'est humilié et s'est rendu semblable aux hommes et a été crucifié à la croix, Dieu a prolongé ses jours. En réalité, ces jours, c'est des dispensations. Lis là, lis l'écriture. Il aura une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. 11. Voilà, l'homme, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de Jésus. Donc Jésus est l'œuvre de l'Éternel depuis le temps du salut jusqu'à la fin de tous les temps. C'est pourquoi aujourd'hui, pour être sauvé, crois en Jésus, tu seras sauvé. Parce que Jésus est l'œuvre de l'Éternel dans la dispensation du temps du salut jusqu'à la fin de tous les temps. Acclame encore Jésus. De même qu'il s'est humilié, il a été glorifié. De même qu'il s'est abaissé, il a été élevé. De même qu'il s'est rendu petit, il a été rendu grand. De même qu'il s'est rendu petit parmi les frères, il s'est rendu grand parmi les frères. C'est pourquoi tous les frères seront semblables à lui, le plus grand frère, à cause de son humilité et à cause de leur humilité. Gloire à Jésus. Hein, l'écriture dit quoi? C'est pourquoi? Oh. Verset Philippiens 2:9. C'est pourquoi? Ah non, non, non. Ah là là là, lis l'autre. Esaïe 53, verset 11. Hein? À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance. Par sa connaissance. Par la connaissance du Christ. Par l'amour de Christ. Par l'œuvre de la croix. Par la connaissance de l'œuvre que Christ a accompli. Par la connaissance de son humilité et de son amour pour nous, Jésus fera quoi? Le serviteur juste fera quoi? Le serviteur, celui qui s'est rendu semblable aux hommes comme un simple serviteur. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Alléluia. Il justifiera beaucoup d'hommes par sa connaissance. Si les hommes arrivent à connaître l'humilité qui est Jésus et qui est en Jésus, ils seront justifiés. Il se chargera de leurs iniquités. Il se chargera de leurs iniquités. Si tu te charges de ta propre iniquité, Jésus ne pourra pas te justifier. Amen. C'est pourquoi laisse Jésus dans le fardeau à Jésus. Je Amen. Parle pour toi. Je t'adresse ce message à toi qui Amen. Me suis. Tu as des fardeaux pesants dans la loi de. Tu as beaucoup de jours de loi en toi. Tu es rempli de péchés. Ne te culpabilise pas. Donne tes fardeaux à Jésus. Car l'Écriture dit, il se chargera de beaucoup d'iniquités, des iniquités des hommes. Ce qui te faut simplement d'être humble, de savoir que ce n'est pas toi qui portera le fardeau, mais c'est Christ qui portera le fardeau. De savoir que Christ s'est déjà abaissé une fois pour toi et il a été glorifié. De la même manière que tu crois en ce Jésus qui s'est humilié à la croix, qui s'est humilié au temps du commencement et au temps du salut, de la même manière que tu crois que c'est ce Jésus qui au temps du salut, étant Christ fait homme, t'a créé à l'image de Dieu. Et parce que tu as péché, il est allé à la croix, s'humiliant lui-même, il a été glorifié, tu seras aussi glorifié par ton humilité en ce Jésus. Jésus est simple, il est un simple homme. C'est pourquoi l'apôtre dit que personne ne vous détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Christ est simple. Alléluia. Continuons. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Ah, parce que Jésus s'est humilié, je lui donnerai sa part avec les grands. Qui sont ces grands? En réalité, c'est nous ces grands. Qui nous a rendus grands? Parce qu'il est grand. Mais en nous rendant grand, il s'est rendu le plus petit. En nous rendant grand, il s'est rendu le plus petit. Et quand même que nous recevons sa nature de petit, qui nous sauve, nous sommes en même temps grands. Alors, il donnera sa part dans les grands. C'est nous, ces grands. Nous serons au troisième ciel à l'enlèvement de l'église. Et nous serons des grands. Alléluia. Parce que nous aussi, quand même que nous serons humbles comme Jésus, nous nous rendrons petits, Jésus nous rendra grands. Et nous serons tous des grands au troisième ciel. Acclame Jésus. Ça, c'est la révélation des Écritures. Nous avons beaucoup d'espérance. Franchement.
Vraiment. All l'orgueil en réalité consiste à, c'est-à-dire à vouloir se charger, c'est-à-dire à ses propres protéger. Iniquités. Voilà. Ne pas laisser Christ le faire. Voilà. Or, en faisant ça, c'est-à-dire c'est essayer d'être grand par tes propres œuvres. Voilà. Tu ne veux pas laisser Christ t'élever, mais tu veux, c'est-à-dire porter toi-même tes propres fardeaux voilà. Et t'élever. Voilà. Or, donc, c'est-à-dire en dehors de Christ. Voilà. Là, c'est l'orgueil. C'est or, l'humilité consiste à laisser tes fardeaux à Christ. Voilà. C'est par là que Christ va te délivrer. Alléluia! Acclame Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. C'est bon le verset? Non. Verset 12. C'est pourquoi. À cause de son humilité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Waouh, avec les grands. C'est nous les grands. Et Jésus aura aussi sa part. Parce qu'il s'est réduit petit pour sauver les grands. Et les grands qui se rendent humbles seront grands avec Jésus dans le royaume des cieux. Il partagera le. Je peux dire le plus petit dans le royaume de ciel sera plus grand que Jean-Baptiste. Effectivement. Alléluia. Parce que si tu humilies toi, il te lèvera. Et c'est fait petit. Voilà. En réalité, il est temps de parler de l'œuvre de la croix. Oui. Jean-Baptiste a montré le chemin. Il dit voici l'agneau. Si Jean-Baptiste l'a fait, Jean-Baptiste ne s'est pas élevé. Mais malgré l'humilité de Jean-Baptiste, montrer le chemin de Jésus, le plus petit. Dans le royaume des cieux est plus grand encore que Jean-Baptiste. Ce qui montre que sur la terre, soyons humbles, Dieu fera de nous des plus grands dans le royaume des cieux. Gloire à Jésus, oui. Alléluia. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Voilà. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Oh, l'humilité du Christ, il est encore allé au milieu des malfaiteurs. Là, moi, je comprends que. Et quand la Bible dit qu'il est le plus petit parmi nous et va nous élever bien. Micro. Ok. Donc je disais que quoi? Je disais que quand la Bible dit qu'il est le plus petit, en réalité, j'ai vu que le Seigneur il a subi trois humilités. Pourquoi je dis ça? Je ne parle pas connaissance. Voilà. Je dis ça parce que. Nous voyons que le Seigneur s'est humilié pour la toute première fois et il est venu. Quand il est venu pour créer le monde, tout ce qui existe et que nous voyons. Et après cela, il s'est humilié encore pour la seconde fois afin de pouvoir aller à la croix. Uh-huh. Maintenant, quand il s'est humilié pour la seconde fois, c'est sa venue où il a porté le corps matériel afin de pouvoir accomplir l'œuvre de la croix. Uh-huh. Maintenant, la troisième humilité que je vois bien et que je dis par connaissance est que l'humiliation que les hommes subissent et que nous voyons, nous disons, hey, on l'a humilié, il a subi ça jusqu'à la croix. C'est-à-dire, on l'a maltraité, il a été compté par les malfaiteurs. Ok, je comprends. Vous comprenez? La première humilité, c'est quand il a été engendré. D'abord, il s'est engendré, depuis l'éternité, la parole a été engendrée. Oui. La parole a apporté un corps spirituel. Mm-hmm. En réalité, ce corps spirituel était un corps d'homme, oui. Mais avec une silhouette humaine, oui. Comme fils de l'homme. Oui. Donc, Christ était homme pour créer l'homme à son image. Voilà. Homme spirituel. Voilà. La deuxième humilité, c'est quand il se dépouille, quand il a été élevé autour de la gloire à cause de sa première humilité, oui. Il s'est encore rabaissé encore. Il a été abaissé encore dans le monde. Au temps du salut. Voilà. Il a marché parmi les hommes. Mmh. Il a marché parmi les hommes dans l'humilité. Mmh. Il a mangé avec les voleurs, mmh. les malfaiteurs. Mmh. Il a parlé du royaume des cieux. Mmh. Il a même pratiqué les besoins corporels de tout homme pendant sur la terre. La troisième humilité, c'est qu'il va accepter, Père, j'irai à la croix, me sacrifier, que je supporte la souffrance de tous les hommes afin que tu sois glorifié. Gloire à Jésus. C'est là, il s'est complètement diminué. Il s'est totalement rabaissé, abaissé, frappé, humilié pour que nous soyons sauvés. Est-ce que tu t'es humilié? Chrétien, est-ce que si tu continues pas à user de tes propres efforts, quand ça ira au ciel, tu n'iras pas. Tes propres efforts ne t'amèneront jamais au ciel. Celui qui ajoute un seul 0,99 ou bien 1% de ses propres efforts au procédure du salut n'ira pas. Ce qui veut dire que quand même que nous devons accomplir les œuvres de la foi, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de produire des œuvres de la foi. Sinon, si tu accomplis, l'humilité c'est aussi le Saint-Esprit. Si tu accomplis les œuvres de la foi,
pensant accomplir les œuvres de la foi, et sans le Saint-Esprit, en réalité, tu es orgueilleux. Et ce n'est plus les œuvres de la foi, mais des œuvres du vieil homme, ou les œuvres mortes. Les œuvres sans le Saint-Esprit sont des œuvres mortes. Si Jésus s'est humilié, Jésus s'est rabaissé, est-ce que Jésus a besoin de nous donner le Saint-Esprit? Non. Comment le Saint-Esprit va participer au corps de l'homme? C'est encore l'humilité de Jésus. Comment le Saint-Esprit va entrer dans un corps d'homme? Quand il a été glorifié au troisième siècle, il dit non, je vais m'humilier encore. Je m'humilierai encore pour que le Saint-Esprit habite le corps des hommes. Et quand le Saint-Esprit habitera chacun, nous nous humilierons et Christ sera glorifié en nous. Alors, nous userons de la force que nous communique le Saint-Esprit pour accomplir les œuvres de la foi. Sinon, tes propres efforts ne serviront à rien. Car Christ s'est dépouillé de ses propres efforts, laissant Dieu de le briser par la souffrance pour que nous parvenions à l'humilité et au salut. Acclame Jésus encore. Le mieux, c'est laisser Jésus faire toutes choses. Voilà. Et si tu as le Saint-Esprit, si tu es en Christ, Christ va t'aider à accomplir les œuvres de la foi. Et tu vas te repentir. Sanctification. Tout sera facile pour toi. Gloire à Jésus. Waouh. Beaucoup nous suivent et beaucoup sont vraiment contents de l'humilité du Christ. Il s'est humilié dans toutes les dispensations. Comment il s'est humilié lors de toutes ses introductions dans le monde? Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est pourquoi chaque fois qu'il s'humilie, chaque fois, il hérite d'une position plus supérieure. Effectivement. C'est pourquoi il dit que l'œuvre du Christ, l'œuvre de Dieu même d'ailleurs, dans toutes les dispensations, est basée sur l'humilité. Micro. Oui. C'est pourquoi il dit que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ d'abord, dans toutes les dispensations, est basée sur l'humilité jusqu'à la fin des temps. Tant que la fin des temps n'est pas encore venue, là, l'œuvre n'est pas encore terminée. Et c'est lorsque l'œuvre sera terminée, c'est-à-dire à la fin des temps, c'est-à-dire lorsqu'il va retourner à l'éternité, tant qu'il n'a pas encore pris, c'est-à-dire sa poste, tant qu'il n'est pas encore rentré dans l'éternité, automatiquement l'humilité, il va toujours continuer à s'humilier, à œuvrer à l'humilité. Tu sais que quand Jésus était venu sur la terre pour créer Adam, il a été rendu inférieur aux anges. Oui. Savez-vous que quand Dieu a créé les cieux et la terre, c'est sur la terre qu'il a créé Adam? Oui. L'homme. Il a amené l'esprit qui était le souffle, qui était dans le septième siècle, qu'on appelle les perfections invisibles, la Nouvelle Jérusalem, cachée. Il va introduire cet esprit dans une âme et mettre dans un corps. Ça, c'est sur la terre qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'humilité. Il avait fait en dessous des anges. Les anges sont avec lui sur son trône de gloire. Ce qui est dans le paradis de Dieu, qu'il a établi dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'a pas créé au troisième siècle. Mais il a laissé même le troisième siècle qu'il a créé pour venir créer l'homme, faire tout sur la terre, dans le monde matériel, et quand même étant spirituel. Mais l'Écriture dit quoi? Quand il a essayé encore de humilier de nouveau dans le monde, venu dans le monde au temps du salut, pour accomplir les prophéties sur le salut, il s'est encore humilié. C'est là les anges l'ont adoré. Ah, celui qui s'est humilié, qui a été rabaissé, mais qui s'est encore glorifié après avoir créé l'homme le septième jour, au troisième ciel, il a été glorifié au troisième ciel, qui est descendu dans le monde à nouveau pour pouvoir créer, non, pour pouvoir sauver l'homme. Il s'est encore humilié, les anges l'ont adoré. Vous voyez le mystère? Parce qu'il s'est humilié, les anges l'ont adoré. Il adorait, mais dans son humilité, les anges l'adoraient. Quand même qu'il était matériel, est-ce qu'on peut adorer un homme? Mais Jésus, lorsqu'il a été introduit de nouveau, il a été adoré. Acclame Jésus. Parce que Jésus, homme, était Dieu en réalité. Amen. Mais qui s'est fait homme, fils de l'homme, semblable aux hommes. Amen. Maintenant, parlons encore de notre mystère. Quand il était rabaissé sous les anges, pour un temps, quand même qu'il soit élevé au troisième ciel après la création de toutes choses dans les sept jours, c'était encore au-dessous des anges. Ouais. Parce que les anges sont au septième ciel avec Dieu. Le savez-vous? Oui. Mais ils sont comme reflets au troisième ciel. Vous savez ça? Christ aussi était l'empreinte de la personne. Quand nous lisons Hébreux, Hébreux 1, le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui était le reflet de sa gloire? Christ est le reflet de la gloire de Dieu dans le troisième ciel. L'empreinte de sa personne. Il est l'image de la divinité dans le troisième ciel.
Vous le savez très bien. Quand même que le troisième ciel est invisible, mais c'est dans la visibilité. Par la visibilité symbolise image. Mais le troisième ciel est une image spirituelle de la visibilité du Christ dans le temps. Acclame Jésus-Christ Nazareth. Qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toute chose par sa parole puissante. Maintenant, lorsqu'il est venu sur la terre, il avait quoi à la croix? La purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. La majesté divine dans les lieux très hauts se situe où? C'est le lieu éternel. Les perfections invisibles. Mais quand on dit qu'il s'est assis à la droite, ce n'est pas qu'il s'est assis à ce trône. L'humilité du Christ, quand même qu'il se devait être glorifié, élevé, il n'est pas resté définitivement au septième ciel qu'on appelle les perfections invisibles, qui est au-dessus même du troisième ciel, qu'on appelle le paradis ou la nouvelle Jérusalem. Mais il est allé à la droite de Dieu. La droite de Dieu à laquelle il est, c'était une glorification, c'était une élévation de Jésus-Christ, quand même dans l'humilité. Vous ne comprenez pas encore? Moi, je comprends. Ok, on continue. On continue. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, devenu maintenant quoi? D'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que leur. Lorsque le Christ était au troisième ciel, il était reflété comme les anges. Il n'avait pas de différence. Quand même qu'il soit Dieu dans le troisième ciel, on ne pouvait pas faire la différence. Pourquoi? Il était l'empreinte de la personne. Or, les anges aussi étant au septième ciel, Christ avait quitté le septième ciel. Les anges aussi étant là-bas, étant tous reflétés avec Christ au troisième ciel, il n'y avait pas un nom qui allait faire la différence entre les deux. C'est pourquoi quand Christ était élevé, a porté le nom Jésus, les anges l'ont adoré glorieusement. Est-ce que vous comprenez? Dans les perfections invisibles, ils savent qu'il est Christ éternel. Mais quand il va entrer dans le temps, ils étaient semblables aux anges. Mais quand il va se dépouiller de sa position du troisième ciel, portant le nom Jésus, il va être rendu supérieur aux anges. Parce qu'il a accepté s'humilier à la croix. Ce qu'aucun ange ne pouvait faire parce qu'il s'est rendu homme semblable aux hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'Écriture dit quoi? Dans Hébreux, l'Écriture dit, il a reçu, voilà, lisez-moi, un nom supérieur aux anges. Est-ce que les anges s'appellent Jésus? Non. Parce qu'il n'était pas venu à la croix. Donc, on ne pouvait pas faire cette palpable différence. Mais en réalité, il était Christ Dieu, il était l'Esprit de Dieu. Mais c'est pourquoi parfois on faisait la confusion même. Parfois, les anges opéraient, mais on voyait que c'était Dieu. Pendant les temps avant la venue de Christ. L'homme qui a combattu avec Jacob, en réalité, c'était un ange. Mais en réalité, encore, nous disons Jésus-Christ homme. Mais Jésus n'était pas encore révélé. C'est pourquoi il était semblable comme les anges. Il opérait comme les anges. On les appelait anges, tout ça. L'ange de l'Éternel, voilà. C'est le fils de Dieu. En réalité, c'était le fils de l'homme. Parce qu'il n'avait pas reçu un nom supérieur aux anges. Mais depuis qu'il a été humilié à la croix, depuis qu'il est venu dans le monde, ayant reçu le nom Jésus, son nom a été élevé au-dessus des anges. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les anges viennent, en tout cas, quand les anges se manifestent, c'est Jésus qui glorifie. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Apocalypse 19, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. En réalité, l'esprit de la prophétie, c'est la manifestation du ministère des anges. Pourtant, ils complètent le ministère de Christ. Parce que Jésus est le nom supérieur au-dessus des anges. Et de nous aussi, les anges. C'est clair? Ok. Donc, il a reçu un nom supérieur, un nom plus excellent que le leur. Donc, Dieu l'a établi héritier de toute chose. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, retournons dans notre Philippiens 2. Nous sommes vers la fin du mystère du couronnement. Philippiens 2. Voilà, Philippiens 2, verset. À part de 8. Non, le verset 9. Non, on commence par. Oui. Le verset 8. À 11. Verset 8. Mm-hmm. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mm-hmm. 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, parce qu'il s'est humilié, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est à cause de la croix qu'il a été supérieur en termes de notoriété.
à cause du nom qu'il a reçu au-dessus de celui des anges et de nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, même les anges fléchissent genoux, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, gloire au Seigneur Jésus. Allons-y dans Psaume 8, 4, au verset 7. Psaume 8, le verset 4 au verset 7. Nous sommes en train de dévoiler ce mystère du couronnement. Psaume 8, verset 4. Au verset 7, je lis. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Psaume 8. Partie du verset 4. 4 à 7. Voilà, Psaume 8 ans, à partir du verset 4. Hein? Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus. Mais qui était Christ homme. Le Christ homme. Avant, il n'avait pas ce nom, Jésus. Effectivement. Mais Christ était homme. Et il le fait comme un homme pour créer les cieux. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as demain? Est-ce que Dieu a demain? Est-ce que Dieu a demain? Non. Est-ce que Dieu a demain? Non, c'est ta parole qui est. Est-ce que Dieu a demain? Main physique comme homme. Non. Il s'est rendu semblable aux hommes pour avoir demain, pour faire les choses que les hommes font. Alors continue. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ah! Quand tu étais au ciel dans les perfections invisibles et que tu a décidé de créer l'homme là. Qu'est-ce que l'homme, pourquoi tu te souviens de lui? L'humilité encore là. Qui est Silas, pourquoi tu te souviens de lui? Qui est Adam, pourquoi tu te souviens de lui pour le créer à ton image? Waouh. Continue. Et le fils de l'homme? Et le fils de l'homme, pourquoi tu prennes garde à lui? 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. En réalité, l'Écriture parle de nous les hommes, selon la connaissance. Selon la connaissance, qui suis-je? Qui est Adam pour que Dieu la baisse? En réalité, Adam était en Dieu, en esprit. Vous le savez très bien. Tous les hommes étaient en esprit, en Dieu dans le septième ciel. Mais Dieu va abaisser l'homme. Il va abaisser l'homme inférieurement à Dieu. N'est-ce pas? Par la parole de Dieu. Introduit dans le monde. L'esprit va apporter un corps matériel. C'est ça l'abaissement de l'homme. Est-ce que tu comprends? De l'homme terrestre. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire. Effectivement, quand il a fini de créer Adam, il dit, tu domineras toute espèce. Tu domineras toute chose. Et les animaux, la faune, la flore, tu domineras sur tout temps chose qui a été créée. Donc Dieu a remis la magnificence et le gouvernement de toute création visible qu'il a fait à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est l'homme, selon la connaissance, l'homme dans la matérialisation, dans le jardin d'Éden, avant la chute du péché. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds, etc., etc., etc. En réalité, selon la révélation, qui est cet homme, qui est ce fils de l'homme, que Dieu a baissé pour peu de temps, que Dieu a rendu inférieur à lui pour pouvoir créer l'homme selon la révélation. Micro. C'est qui? Qui est ce fils de l'homme? C'est qui? Le fils de l'homme, c'était Christ. Homme. Voilà. Qui a créé l'homme à son image. C'est clair? Maintenant, allons-y dans Hébreux 2, le verset 6. Hébreux 2. Nous sommes à la partie la plus importante qui va finaliser la révélation du mystère. Donc, soyez attentifs. Hébreux
Hébreux 2, verset 6. Voilà. Hébreux 2, verset 6. Commencez même pas le verset 5. Verset 5. Mm-hmm. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à Venise. Est-ce que c'est à des anges que Dieu a soumis le monde? Mm-hmm. Donc nous parlons. Mm-hmm. 6. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Mm-hmm. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Mm-hmm. Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Mm-hmm. 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Voilà. Ici, selon la connaissance, c'est Adam. C'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Mais selon la révélation, ce n'est pas Adam. Selon la révélation, c'est Christ homme. Pourquoi? Parce que il est écrit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Nous dirons maintenant que Dieu, qu'est-ce Christ homme pour que tu te souviennes de lui? Ou Christ homme, le fils de l'homme, pour que tu te prennes soin de lui? Pour que tu lui donnes un corps spirituel? Pour que tu lui donnes un corps spirituel? Et que tu as besoin de lui donner un corps spirituel? Qui est Jésus? Qui est le Christ? Celui qui a baissé là, tu lui donnes un corps spirituel? Il a lui donné un corps spirituel, il a pris soin de lui. C'est pourquoi il dit que Christ entrant dans le monde, dans Hébreux 15, dit, tu m'as formé un corps. Tu vois? Est-ce que Christ a fait quelque chose avant que le Père ne lui forme un corps? Ah, vraiment, c'est merveilleux. C'est pourquoi l'Écriture, nous selon la révélation, nous disons maintenant selon la révélation, qui est le Christ homme qui a été engendré pour que le Père lui forme un corps spirituel? C'est pourquoi l'Écriture dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Qu'est-ce que le Christ a baissé un peu de temps sous le septième ciel, sous le troisième ciel, élevé après dans la gloire pour que tu te souviens de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps. Ça, c'est lors de la création. Lors de la création, le Christ a été abaissé de l'éternité du septième ciel dans le monde matériel. En bas, ce n'est même pas au troisième ciel. Pour pouvoir créer l'homme à son image. Ayant créé l'homme à son image. Mais avant de créer l'homme à son image, il lui a formé un corps spirituel. Ça, c'est comment il a pris du soin de lui. Mais quand il finit de prendre soin de lui, il lui dit, va créer l'homme à ton image. Et l'homme a reçu l'homme, l'image de Dieu, et aussi l'image de Dieu, la parole, et l'image aussi de la pensée de l'éternité, qui est le septième ciel, et aussi l'image de Jésus-Christ, homme. L'homme a reçu cela. Alors, puisque le Christ homme a été abaissé pour un peu de temps, en dessous des anges, les anges sont où? Au septième ciel. C'est ça, on dit le ciel, où les anges sont autour du trône. Le ciel qui a été créé est mis dans l'éternité, pour que les anges adorent le Père, pour toujours au siècle des siècles. Ce siècle, ce trône où tout est éternel. Maintenant, quand on dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges, en réalité, il a été abaissé au-dessous du septième ciel. Entrant dans le monde de la dispensation du temps. Or, de la dispensation du temps, d'abord, il était allé dans le monde matériel pour créer Adam, faisant de Adam un homme matériel. Or, Adam était un homme spirituel qui va aussi abaisser, mais le mettant dans un corps matériel. Ayant fini d'accomplir une œuvre sur la terre, il va être élevé où? Au troisième ciel, qui est le lieu qu'il a établi comme les cieux au-dessus. On peut dire les cieux des cieux, au-dessus de toute création dans le monde, dans la dispensation du temps. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, comme Christ s'est abaissé, venant dans le monde matériel, en dessous du monde surnaturel et du monde spirituel, mais dans la dispensation du temps, comme Christ l'a fait pour pouvoir créer l'homme à son image, Dieu fait quoi? Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Non, c'était pas au-dessus de tout nom. Dieu l'a élevé plutôt au-dessus des hommes, au-dessus des Adam qu'il a créé pour le mettre au trône de sa gloire dans le troisième ciel, qui fait partie des cieux créés à la création. Maintenant, comme il s'est abaissé, comme il a accepté que Dieu le dépouille de son autorité éternelle, de ses perfections invisibles, pour qu'il soit semblable à un homme, mais dans la spiritualité, introduit dans la matérialisation pour créer l'homme à son image,
il a été élevé, il a été couronné de quoi? De gloire et d'honneur. La gloire que Adam avait reçue, comme quand il a été abaissé, son esprit a été abaissé dans le corps matériel, cette gloire c'était juste pour dominer, pour être le chef du jardin d'Éden. Donc l'homme, Dieu a fait de l'homme matériel le chef de la terre, pour dominer, pour être couronné sur la terre. Jusqu'aujourd'hui c'est comme ça. Mais il a fait du Christ, le fils de l'homme, le chef du monde spirituel. Comme celui qui était dans le monde éternel a traversé le monde surnaturel, venant dans le monde, traversant même le monde spirituel pour venir dans le monde matériel, pour pouvoir créer l'homme à son image, Dieu va l'introduire. Il va quitter le monde matériel pour rejoindre le monde spirituel, étant élevé en dessus de celui qui l'a créé dans le monde matériel. C'est pourquoi, de la même manière que Adam, ayant été créé dans le monde matériel, a été couronné de gloire pour régner dans le monde physique, dans le jardin d'Éden, dominer sur les animaux, les bétails, les plantations, les végétaux. Christ même, selon la révélation, ayant aussi été introduit dans la matérialisation pour la création, être dépouillé et devenant un homme spirituel, va être de nouveau monté, glorifié, non pas au septième ciel, il l'a quitté, troisième ciel, pour faire quoi? Pour dominer toute la création, la terre et aussi l'homme, se rendant supérieur à toute création. Mais étant au troisième ciel, il était inférieur aux anges. Mais les anges étaient à son service depuis l'éternité. Et il fermait le portail du ciel au sang. Est-ce que vous comprenez? Parce que les anges se situent au septième ciel. Mais quand il va s'abaisser encore sur la terre pour aller à la croix, étant donné qu'il est allé à la croix, s'humilier lui-même encore de nouveau dans le monde matériel, mais avec un corps matériel, il porte un nom supérieur aux anges. Oh là là. Lui sont soumis, tout être lui sont soumis. Est-ce que vous comprenez? Donc en réalité, le mystère du couronnement du Fils de l'homme, en réalité, c'est que parce qu'il s'est humilié, entré dans le monde matériel deux fois. Entré dans le monde pour créer Adam, premièrement, avec un corps spirituel, homme spirituel. La seconde fois, il a été crucifié. Il a été aussi glorifié après dans le monde spirituel. Nous disons par là que quand il a fini de créer toutes choses, il est parti au troisième ciel, étant couronné de gloire. Mais les hommes n'avaient pas ce nom révélé. Esaïe ne connaissait pas qui s'appelait Jésus. Mais il savait que le Christ existe et devait être révélé. Mais le Christ n'a pas encore commencé par œuvrer officiellement tant qu'il ne porte pas le nom Jésus parmi les hommes. C'est pourquoi c'est Jésus-Christ qui sauve. Et c'est ce nom que nous connaissons. C'est clair? Parce qu'il s'est humilié, il a couronné au-dessus. Et il a couronné au troisième ciel. Et il a revêtu de gloire. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus règne. Non, il y a un chant qui dit Jésus règne, il est revêtu de majesté. En réalité, c'est une parole de psaume qui dit que à l'Éternel la gloire, la majesté, parce qu'il règne sur les fils de l'homme. C'est clair? Donc, le mystère du couronnement du fils de l'homme a été rendu parfait lors de l'humilité de Jésus pour la première fois, créant l'homme matériel dans un corps, étant dans un corps spirituel, mais dans un monde matériel. Mais quand il est venu sauver l'homme, il est venu en tant qu'homme matériel, un homme spirituel entrant dans un corps matériel, étant un homme matériel, étant crucifié dans un monde matériel pour sauver l'homme dans un monde matériel. Et après la crucifixion de son corps matériel, il fut élevé dans le monde spirituel où il a quitté ce dépouillant de sa force. C'est pourquoi quand il entrait dans le monde, les anges l'adoraient. Et aujourd'hui, à partir de toujours, les anges lui donnent cette renommée depuis le troisième ciel. Donc au troisième ciel, selon le reflet de l'empreinte de la personnalité de Dieu, les anges qui sont au septième ciel sont juste reflétés là, spirituellement, servant Christ à la droite de Dieu. Donc ils obéissent aux ordres que le Père, Christ étant Père dans l'éternité, donne. Et c'est une intermédiation entre les trois grandes régions des dispensations. C'est clair? Ça, je comprends. Oh, alléluia. Tu comprends? Acclame Jésus. Tu peux résumer? Tu peux résumer maintenant le couronnement du Fils de l'homme? Alléluia. Pour résumer le couronnement du Fils de l'homme, nous savons d'abord que, bien au départ,
Dieu, Christ est celui-là qui a formé l'homme. Christ est celui-là qui a créé l'homme. Et Christ est venu dans le monde pour accomplir la création par engendrement, par la parole. Et nous voyons que lorsque Christ est descendu, lorsque Christ est venu, c'est-à-dire avant même la création, là, c'est-à-dire, nous voyons une certaine humilité, une humilité. Nous voyons une humilité. Voilà. Et par la suite, après avoir accompli la création de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est encore, c'est-à-dire encore introduit une seconde fois dans le monde. Et ceci au temps du salut. Voilà, où il s'est manifesté dans la chair. Et par là, nous voyons encore une certaine humilité. Et en résumé, pour résumer tout ceci, nous voyons que c'est pas l'humilité de Christ pour l'accomplissement de ses œuvres que, en réalité, il a été élevé. C'est parce que Christ a été humilié. C'est parce que Christ s'est humilié, c'est-à-dire en s'abaissant lui-même, c'est-à-dire que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de toutes choses. C'est pour dire quoi? L'humilité, en réalité, est la base, est la source, est, c'est-à-dire le fondement même de l'œuvre de Christ dans la dispensation. Tout repose sur l'humilité. J'insiste beaucoup sur l'humilité ici. Pourquoi? Parce que c'est un point également très important. C'est ça qui recouvre en réalité l'œuvre de Christ. Donc c'est pour dire si Christ a fait toutes ces choses, c'est en réalité par humilité. C'est par humilité qu'il a fait. Donc voici en quelque sorte ce que je peux pour le moment donner. En attendant qu'on vous... Ok, on continue. L'écriture dit quoi? Voilà, donc lisons Jérémie 17, 12. Et nous allons voir la position, le couronnement du Christ homme qui a créé l'homme à son image et qui a été mis introduit au troisième ciel. Comment le Seigneur caractérise ce couronnement après son humilité. Jérémie 17, 12. Jérémie 17, 12. Je lis. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. Alléluia. C'est au commencement qu'il a créé toutes choses en 7 jours. Donc, comme il a tout créé, on l'a dit, il s'est abaissé, il a créé d'abord les autres choses dans l'eau. Il mouvait au-dessus des eaux. Il a créé les choses dans le monde spirituel, le monde atmosphérique, toutes choses. Pour créer l'homme, il s'est abaissé dans le monde matériel, c'est ça, non? Pour introduire l'homme sur la terre. C'est ça. Mais quand il a fini de créer l'homme, l'homme étant la dernière création des 7 jours, au 7e jour, au dernier jour, avant le jour du repos, voilà. L'homme était la dernière création, c'est au 6e jour, je pense. Hein. Oui. C'est au 6e jour, non? C'est au 6e jour. Donc, le 7e jour était les endroits, c'est 7 jours de travail quand même. Quand on dit repos, c'est juste pour montrer que c'est les 7 jours de perfection. Donc, quand il a fini d'opérer, de créer l'homme, il va élever l'homme au trône de la gloire, qui l'a établi dans le 3e ciel. Or, le trône même, c'est au 7e ciel. Mais comme le 3e ciel ne pouvait pas être vide, comme Christ a fini d'opérer la création, Dieu l'a élevé pour qu'il soit au 3e ciel, étant un trône même de gloire, avec des anges comme reflet. Donc, Christ étant l'empreinte de la divinité de Dieu au 3e ciel, étant de la visibilité, mais dans le 3e ciel qui est la spiritualité invisible dans le temps de la visibilité. Gloire à Jésus. Amen. Que la gloire soit rendue à Jésus. Amen. Voilà, continue le verset. Reprends. Verset 12. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Verset 13. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. C'est bon, c'est clair. Ça, c'est le sanctuaire dont on parle ici. On parle du lieu saint. Le lieu où nous irons après l'enlèvement. Le sanctuaire du lieu saint. Parce que c'est là où Christ a été glorifié. Maintenant, comme Christ a quitté ce lieu pour venir dans le monde, vous comprenez? Il s'est dépouillé de sa gloire du 3e ciel. Donc, quand il veut venir dans le monde pour le salut, là, ce n'est pas le 7e ciel qu'il a quitté. Directement comme ça. Il a quitté le 3e ciel. Parce que c'est là-bas qu'il s'est arrêté. Après là, il a été introduit
dans la gloire après la création. Vous le savez très bien. Donc, c'est à la création qu'il a quitté directement le septième ciel. Pour venir dans le monde et créer les choses dans le monde, retourner au troisième ciel. Mais quand il veut venir dans le monde, la deuxième fois dans le monde pour le salut, il ne quitte pas le septième ciel, mais il quitte le troisième ciel. C'est pourquoi on dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. C'est parce qu'il a été glorifié qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Et Philippiens 2 s'est dépouillé de sa gloire. En réalité, il était glorifié selon Jérémie 17, 12 au troisième ciel. Est-ce que vous voyez? Donc, comme il s'est dépouillé de sa gloire, il est venu dans le monde. Quand il a été crucifié, maintenant, comme il a été glorifié, il n'est plus allé au septième ciel. Il était allé là-bas pour valider le sacrifice comme souverain sacrificateur au septième ciel. Mais il est encore descendu encore. L'humilité dit quoi? Qui est monté si ce n'est celui qui est descendu? Qui est monté dans les régions inférieures de la terre? C'est le même qui est monté. Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu afin de remplir toutes choses. Donc l'humilité montre que Christ, après sa mort, est monté au septième ciel. Il est descendu sous la terre. Après avoir quitté sous la terre, il est ressuscité après 40 jours. Il est glorifié maintenant au troisième ciel. Maintenant, afin de remplir toutes choses, puisque c'est le troisième ciel était vide quand il a quitté. Alors, le ciel même, c'est le septième ciel. C'est pourquoi il dit que personne n'est monté et n'est descendu si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. En réalité, quand il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel, ce n'est pas dit que c'est le Fils, pas du Fils de l'homme, mais il dit que moi, le Fils de l'homme, c'est moi qui suis dans le septième ciel présentement quand je parle. Mais au troisième ciel, j'ai quitté le troisième ciel. Le Fils, ce n'est pas qu'il est dans le ciel. Lisons. Et Jean 3, 13. Je vous explique les mystères, c'est tellement simple. Oui. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? Le Fils de l'homme. Voilà. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà. Est-ce que quand Jésus parlait là, le Fils de l'homme est où? Il est sur la terre. Mais pourquoi il dit que le Fils de l'homme est sur la terre? Il est dans le ciel. En réalité, il dit que parce que c'est là-bas qu'il a quitté. Voilà. Et c'est là-bas qu'il est Père. Le Fils de l'homme qui est sur la terre, en réalité, il est dans le ciel en tant que Père. Mais dans le troisième ciel, il s'est dépouillé du troisième ciel. C'est comme si il a quitté le troisième ciel pour venir dans le monde. C'est pourquoi l'Écriture dit que celui qui est monté au septième ciel, c'est le même qui est descendu sous la terre. C'est le même qui est remonté à la terre avec 40 jours. Et c'est le même qui est monté après au troisième ciel afin de couvrir, remplir toutes choses. Parce que le troisième ciel était vidé. Parce que Christ s'est dépouillé de la gloire qu'il avait au troisième ciel. Or, en réalité, sa gloire éternelle, sa puissance éternelle, c'est au septième ciel. Mais quand il quitte le troisième ciel, il n'y a plus aucune représentation de l'éternité là-bas. C'est pourquoi la représentation est venue sur la terre en Christ. C'est pourquoi toute la plaie, voilà, c'est pourquoi la Bible dit que en lui habite toute la plénitude de la divinité. Donc la plénitude de la divinité n'est plus représentée au troisième ciel quand Jésus était sur terre. Mais la plénitude de la divinité est représentée dans le corps de Jésus. Dans le corps de Jésus, quand même que le corps de Jésus-Christ est Père dans l'éternité. C'est clair? Donc il a rempli toujours. Donc l'humilité a poussé Jésus de descendre dans les régions inférieures de la terre. Quand il est monté, comme souverain sacrificateur dans le septième ciel, dans le ciel même, il est descendu sur la terre. Avant d'aller dans le troisième ciel, il est d'abord descendu sur la terre, par humilité. Mais quand il a quitté le sous la terre, il est parti au troisième ciel pour être encore glorifié. C'est clair? Donc quand il devait créer l'homme, il est venu sur la terre physiquement. Mais quand il devait sauver l'homme, il est allé sous la terre. C'est deux mystères différents parce que l'homme était cadé en prison sous la terre. Il fallait le libérer. Donc, ils sont les promesses de nous. Ça, c'est un autre mystère. C'est clair? Voilà. Donc, c'est celui qui est descendu, qui est monté, qui a été glorifié. Donc, c'est encore l'humilité. Vous comprenez? Gloire au Seigneur Jésus. Donc, on est sur quel verset? Non. Maintenant, laissons Jérémie. C'est bon, on a compris que vous n'êtes pas lui. Hein. Lis, déjà. Ah, ok. Donc, il a un ton de gloire élevé dans le ciel. Voilà. Donc, Jean 3, verset 13 dit quoi? Personne n'est monté, c'est-à-dire, dit.
Donc, quand l'Écriture dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel, cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas Fils de l'homme sur la terre, que c'est le Fils de l'homme qui est au septième ciel. Non. Je l'ai déjà dit. Celui qui est sur la terre, ta Fils de l'homme, là, c'est lui qui est dans le ciel, des perfections invisibles. C'est clair. Ok. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, il a couvert toutes choses. Maintenant, on va faire une nuance. Retournons dans Hébreux. Hébreux 2. C'est bon ou bien vous êtes mélangé? Non, c'est bon. Ah. Gloire au Seigneur Jésus. Hébreux 2. Voilà. Donc, voilà, relisez le verset 6. Lisez avec rapidité. Hébreux 2, 6. Oh, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, qui est sous des anges, Jésus. Où, là, ici, on ne parle plus de la création. Mais ici, on parle du stand du salut. Vous allez voir la différence. C'est là où maintenant on parle de Jésus. Quand on parlait d'abord dans Hébreux 2, verset 6 à 7, on n'a pas dit Jésus. Là, on parle du Christ homme, n'ayant pas encore le nom Jésus. Mais quand on est venu sur 8, le verset 9, maintenant on cite son nom. Jésus, que nous voyons là, nous identifions que là, il s'agit du temps du salut, de l'œuvre de la croix. C'est clair? C'est la différence. Et à lit. C'est clair? C'est clair. Fais-moi la différence. Toi, mets le lettre. Ok. La différence entre. Entre Hébreux 2, verset 6 à 7 et Hébreux 8. Hébreux 2, verset 9. Voilà. Ici. Dans le verset 9 d'Hébreu 2, nous voyons ici que... dans le verset 6 à 7 d'Hébreu 2. Voilà, dans le verset 6 à 7 voilà, d'Hébreu 2, nous voyons ici que là, on parle d'un homme. On parle de Jésus-Christ. On parle de Christ, homme. J'aime la précision. Reprends. Alléluia. Dans Hébreu 2, verset 6, ici, nous voyons que on parle de quelqu'un qui a été abaissé. Or, dans le passage précédent qu'on avait lu, on a également parlé de quelqu'un qui était abaissé. Mais à la différence que on n'avait pas cité des noms. Dans le passage précédent, il était question, celui qui était abaissé, c'était le Christ, mais homme. Or, ici, dans ce passage d'Hébreu, il s'agit toujours du Christ, homme, mais précisément de Jésus, vu que son nom a été mentionné. Pourquoi maintenant, dans le passage précédent, on n'a pas cité le nom? C'est parce qu'en réalité, en ce temps-là, le nom de Christ n'avait pas encore été révélé. Jésus-Christ n'avait pas encore été révélé. Le nom de Jésus, il ne faut pas dire Jésus. Le nom de Christ était là. Les prophètes sont dit le Christ. Effectivement, le nom de Jésus n'était pas encore révélé. Voilà, le nom Jésus n'était pas encore révélé. Or, maintenant, nous voyons que le nom Jésus est déjà révélé. La deuxième fois qu'il était encore abaissé. Effectivement. Et là, on mentionne clairement, on nous montre clairement qu'il s'agit en réalité de lui. Voilà, de l'œuvre de la croix. Alors, effectivement. Voilà. Que maintenant, on parle. Ici, dans Hébreux 2, verset 8. Et là, il s'agit d'un second. Voilà. Voilà. Et le troisième ici, là. Hein. Oui. Regarde, lis le 9. Mais celui qui a été abaissé. On parle encore d'une seconde, deux secondes, abaissement. Ici, c'est un second abaissement. Le premier était pour la création. Et on a dit que quand il s'est abaissé pour la création, c'est pas la révélation que nous avons, cette connaissance, qu'il a été glorifié, couronné de gloire. Le second abaissement. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus. Ça, c'est pour lors du temps du salut. Lorsqu'il s'est matérialisé avec un corps terrestre, un corps d'homme, pour aller à la croix. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et Alléluia. D'honneur. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Attends, je donne une révélation. Docteur Daniel a dit que c'est trois fois. Et j'ai dit que à chaque fois que le Christ se rabaisse, il reçoit une couronne de gloire. Et nous avons dit qu'au commencement, lorsqu'il a fini les sept jours de la création,
il a été, s'est rabaissé dans le monde de, qu'il a créé lui-même pour pouvoir créer ces choses. Il a été glorifié au troisième ciel. Il a été préfiguré, prophétisé, annoncé, mais apparu aux anges, ce n'était pas encore une dispensation du salut. Mais là, quand il est venu pour le temps du salut, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Savez-vous que par l'humilité de Jésus jusqu'à la mort de la croix, il avait une couronne de gloire. Une couronne de gloire avant même de recevoir la couronne qu'il aura après la victoire de la mort de sa résurrection. Après la résurrection de Christ, il a une autre couronne. Mais avant la résurrection de Jésus, lors de sa mort à la croix, quelle couronne il avait, micro? Poussez le cri bien. Il a reçu couronne de victoire. Il a reçu la couronne de victoire à la croix. Donc, dans les trois introductions, non pas les trois, non, les deux introductions, mais dans les trois abaissements qui se passent dans les deux introductions de Christ dans le monde, il a reçu trois couronnes liées à ces trois abaissements. Le nombre de fois que tu te humilieras, tu auras de nombre de couronnes relatives au degré de ton humiliation. Au degré de ton humilité. Et je te le dis à vérité. Plus tu t'humilieras, plus tu seras couronné de gloire. Plus tu t'humilieras, plus tu seras couronné de gloire. Je le dis à vérité. Tant que les hommes ne s'humilieront pas, ils n'auront aucune couronne de gloire. C'est pourquoi Jésus s'est abaissé, s'humiliant aux hommes, semblable aux hommes, pour avoir part avec les grands au troisième ciel lors de l'enlèvement de l'église. Même dans le milieu. Nous serons comme Jésus, ensemble de frères. Donc Jésus, ayant souffert à la croix, a une couronne qu'on appelle la couronne de victoire. Il a reçu une couronne de pin qui est en train de marquer la victoire de la croix. Donc à la croix, Jésus, étant élevé à la croix, avait aussi une couronne parce qu'il est, il s'est rendu humble, même quand on le persécutait, il n'a pas abandonné. L'humilité que Christ a, est-ce que Christ a besoin de souffrir pour que nous soyons sauvés? Par son humilité, il a porté le fardeau de tous les hommes allant à la croix. Alors Dieu lui a donné un trône de victoire qui est la croix. Dieu lui a donné une couronne de victoire qui est les couronnes d'épines. Dans les points de pique qu'il a porté lors de sa souffrance pour la croix et à la croix. Et en réalité, le symbolisme même de la gloire, de la couronne de gloire, de victoire que Christ a reçu lorsqu'il était sur le trône de la croix. Et parce qu'il a accepté d'entrer dans le plan du salut pour pouvoir racheter les hommes. Mais quand il a fini d'opérer au temps du salut à la croix, en recevant la couronne de victoire, quand il est monté comme sur un sac lapin, il est descendu sous la terre. Et quand il est réapparu sur la terre physique, il a fait 40 jours. Quand il est reparti au ciel, ce n'est plus au septième ciel, mais au troisième ciel. Et là-bas, il a encore été couronné de gloire lorsqu'il montait pour le troisième ciel. C'est pourquoi les anges disent, deux personnes sont venues pour dire, cet homme, vous ne le verrez plus. Mais il reviendra de la même manière qu'il a été enlevé. De la même manière que Christ, par son humilité, a été glorifié, de la même manière que par son humilité, il reviendra par le Saint-Esprit, de la même manière qu'il a été enlevé au troisième ciel. Ah, on est à la fin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Convenez en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc Christ est le prince de notre salut. Mais le prince est d'abord rabaissé, devenant une grande leçon d'humilité. Le mystère du couronnement du Fils de l'homme. Le mystère du couronnement du Fils de l'homme dépend du mystère de l'humilité du Fils de l'homme. Et le dévoilement de ce mystère, c'est pas l'humilité que nous l'avons. Si tu veux être élevé, sois humble. C'est pas la connaissance, c'est pas l'humilité qu'on parvient à la connaissance. Si tu ne rejettes pas la connaissance, tu seras élevé. Mais celui qui rejette la connaissance est un orgueilleux. Celui qui a la connaissance mais ne veut pas partager aussi est un orgueilleux. Celui qui cache la connaissance s'en orgueille pensant que en révélant aux autres, les autres auront la connaissance.
L'humilité précède la gloire. C'est pourquoi nous n'allons jamais cacher la connaissance. Donc, parce que quand le Seigneur nous a donné cette connaissance, c'est une gloire pour nous. Non. Celui qui a réellement la connaissance est le plus humble. Parce qu'il sait que de même qu'il a une petite connaissance, c'est maintenant qu'il ne connaît rien. Et c'est maintenant que Christ l'accorde la connaissance. Acclame Jésus-Christ. Jésus est notre connaissance. Et ce n'est pas l'humilité de Jésus que nous recevons cette connaissance. Que nous aussi, nous parvenons à la connaissance Amen. De Jésus. Amen. Car l'Écriture dit que par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Alléluia. Et effectivement, nous sommes justifiés Amen. Par la connaissance de Christ, notre Seigneur Jésus. C'est bon? On est sur quel verset? C'est bon. Voilà. C'est bon. Oui, il lit le verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Hébreux 2, verset 11. C'est pourquoi il n'a celui pas qui sanctifie, c'est qui? C'est Christ. Christ sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont qui? C'est nous. Nous sommes tous issus de qui? De Dieu. Ah, Christ est issu de Dieu dans le temps et nous, en tant que parole. Et nous sommes aussi issus de Dieu. Par la parole de Christ qui nous a donné l'image de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il dit rien, continue. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte d'appeler les disciples, les apôtres frères, et il n'a pas honte de nous appeler aussi frères. Quel était, il est revenu, il a dit, vous êtes mes frères. Effectivement, nous sommes ses frères. Parce que nous avons reçu le même esprit que lui. Nous sommes héritiers de Dieu, de la même manière que Christ est héritier de Dieu. Selon Hébreux 1, Christ est héritier de toutes choses. Nous aussi, nous sommes héritiers de Dieu. Mais dans l'héritage, Christ est le prémisse de cet héritage. Selon cette ligne doctrinale de prémisse, en réalité, il est le prince du salut. En réalité, étant le prince du salut, il est le premier à être héritier de toutes choses qui attribue cette part d'héritage à nous qui croyons en lui, qui demeurons humbles pour accéder à cet héritage qui nous donnera par le bien du Père qu'il lui a donné et qu'il nous a attribué aussi pour que nous appartenions à une nouvelle famille des frères où Christ est notre grand frère, le premier héritier de Dieu, le premier né de toute la création, le premier né dans la mort. Acclame Jésus, le premier né de toute la création, le premier né dans la mort, le premier est ressuscité parmi les frères et il fait de nous aussi des frères parce que nous connaissons maintenant le mystère du couronnement du Fils de l'homme, l'humilité de Jésus. Alléluia, Jésus, le Fils de l'homme. Gloire à Jésus. Ce cas, celui qui sanctifie, il continue. C'est pourquoi il n'a pas honte. Oui, c'est pourquoi il n'a pas honte. À cause de son humilité, il n'a pas honte de nous appeler encore frère. 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Ça, c'est une prophétie de Psaume. Et 13. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici. Moi et les enfants que Dieu m'a donné. Alléluia. reprends depuis le verset 12. Méditez la parole, peuple de Dieu. Méditez les écritures pour grandir. Celui qui médite assez l'écriture ne sera jamais orgueilleux. Celui qui puise sa force par le Saint-Esprit, dans l'écoute du Saint-Esprit, par la méditation, ne pourra jamais être orgueilleux. Parce que tu vois, quand tu médites là, tu as encore soif de connaissances. L'orgueilleux pense déjà connaître tout. L'absolu de la connaissance. Voilà. Et ne peut pas partager. Même quand il partage, il pense qu'il est en train de se livrer, se réduire aux hommes. Humilions-nous. C'est parce que nous sommes en train de cultiver l'humilité du Seigneur que nous sommes en train de partager cette connaissance. Et nous ne disons pas que nous avons atteint la perfection dans l'humilité. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous cherchons à travailler, à être semblables à Christ. C'est pourquoi il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments? Le rabaissement, l'abaissement, l'humilité, le pardon, l'amour, la paix, la réconciliation, la louange, l'adoration, dans l'assemblée des frères, dans l'assemblée des saints. Aujourd'hui, tu es dans l'assemblée des saints. Car en croyant en Jésus, Christ a transporté ton esprit, même au troisième ciel, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lors de l'enlèvement de l'église, nous aurons tous célébré Jésus au troisième ciel, mais ce ne sera pas encore au troisième ciel. Nous irons d'abord à la table, nous irons manger au troisième ciel. Au troisième ciel, nous irons manger,
comme les sacrificateurs. Oui. Nous irons manger la table, à la table, et nous irons manger les pains de provision oui. avec le vin. Oui. C'est un autre mystère, ça. On va en parler la fois prochaine. Oui. Et après ça, oui. nous allons revenir dans le. C'est où le lieu saint, le troisième ciel. Oui. Le millénium est toujours dans le lieu saint. Oui. Et nous irons faire quoi? Nous sommes des chandeliers oui. qui viendront éclairer le monde. Oui. C'est quoi la propos dit que vous êtes des lumières, Philippiens 2. Alléluia. Amen. Même Jésus aussi l'a dit. En réalité, ces lumières sont des chandeliers de Dieu qui ont quitté la gloire dans le troisième ciel, qui viendront éclairer le monde avec Jésus-Christ. Philippiens 2. Philippiens 2, à partir. Je viens Philippiens 2, à partir du verset. Voilà, 15 et 4. Et 14 plutôt. Voilà, Philippiens 2, verset 14. Mmh. Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Oh là là. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain. Ces flambeaux sont en réalité le symbolisme des chandeliers. Des sept branches du sang de l'œil d'or dans le lieu saint. Et nous savons que le lieu saint, dans le tabernacle, représente le troisième ciel, où Dieu refait. Or, le trône de Dieu n'était pas dans le lieu saint, dans le tabernacle. Le trône de Dieu était dans le lieu très saint, au niveau du propitiatoire, où deux chérubins protecteurs étaient élevés. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le troisième ciel était la représentation spirituelle du trône de Dieu. Dans le temps, sera composé à son tour, non, des éléments qui étaient dans le lieu très saint. Non. Mais sera composé de quoi? Le trône de la droite de Dieu, qui n'est qu'un passage au lieu très saint. Car Jésus-Christ est le médiateur entre les hommes. Et la spécialité du troisième ciel étant le lieu saint, étant une partie du lieu saint. Et la table qui était dans le lieu saint du tabernacle, qui sera aussi dans le troisième ciel, qui égorge du pain et du vin. Mais la particularité encore est que dans le tabernacle de Moïse, la table, il y avait des pains de proposition, mais il n'y avait pas du vin. Car Dieu avait interdit le vin aux sacrificateurs et aussi à tout le peuple. Pourquoi? Parce que Moïse disait, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Alors pour ne pas pécher, le vin était interdit pour les adeptes de la loi de Moïse à cause. Pas conséquent. À tout le monde. Parce que tout le monde pouvait entrer dans le lieu saint. Oui. Mais pas tout le monde. Tout le monde ne pouvait pas aller dans le lieu très saint. Oui. Donc le vin était interdit parce que depuis le péché de l'homme, c'est les raisins verts. Okay. La consommation du raisin vert, physiquement, qui a été selon la révélation, est quoi? Oui, les raisins verts. Qui, selon la connaissance d'abord, est l'arbre de la vie, mais produisant des fruits de raisin vert, qui en réalité est la loi selon la doctrine, la loi du péché selon la doctrine, selon la révélation, qui en réalité est quoi? La mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, depuis que l'homme a péché, a mangé les raisins verts, c'est venu le divin, les pères nous ont raconté un proverbe en disant, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils des enfants ont été agacés. En réalité, c'est la conséquence de la consommation du l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre de la vie représentait encore la vie. C'est un raisin, mais qui n'était pas fils de vert. Ça, c'est une autre révélation. Donc, Dieu va interdire le fruit de la vie, qui est le vin qui sort des raisins, des verts, à tous les sacrificateurs, à tout le peuple, à cause de la loi, parce que c'est pas ça qu'ils sont tombés dans le péché. Ça, c'est l'incapacité de la loi à agréer la création de l'homme et de Dieu plutôt. Or, le raisin est un fruit créé par Dieu. Le fruit de la vigne, qui est le vin de la vigne, est de Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Or, Dieu avait dit que tout ce qu'il a créé était bon. Maintenant, Hébreu 20 dit, Hébreu 9 ou 10, Hébreu 9 a dit que ces choses étaient des ordonnances imposées jusqu'à une époque de réformation. Les boissons, les aliments. De la même manière que Dieu avait interdit les aliments impurs, de la même manière, il avait aussi interdit ces boissons. Aujourd'hui,
Nous ne devons pas nous enivrer de vin. Le vin n'est pas interdit en soi. Mais ce que le Seigneur interdit dans les écritures révélées, dans la sainte doctrine, c'est l'enivrement et le débordement du vin. Sinon, si nous disons que le vin était interdit, là, on bannit l'œuvre de la croix parce que l'œuvre de la croix a rendu pur ce que Dieu avait rendu impur. C'est pourquoi Jésus avait changé l'eau en vin. Voilà. Si nous disons que nous n'allons pas prendre du vin, alors nous n'allons pas aussi manger les animaux, ni les animaux impurs, voilà. Tout cela. Voilà. Mais cela ne veut pas dire d'être lié à donner, ou bien cela ne veut pas aussi dire que de marcher dans la perversité, de boire des. De se livrer aux boissons alcoolisées et détruire son âme, son corps. Voilà, tout ça. Voilà. Mais nous reconnaissons que le vin est tout est naturel, voilà. Parce que c'est Dieu qui l'a créé naturellement. Voilà. Mais nous ne devons pas nous enivrer. Si nous enivrons, nous sommes en train de pécher contre notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, on met ça de côté. Maintenant, comme à nous, nous sommes ce nouveau royaume de sacrificateurs, c'est nous le royaume de sacrificateurs, non? C'est nous ce nouveau royaume de sacrificateurs. Alors, nous, il ne nous a pas interdit cela. C'est pourquoi au troisième ciel, nous allons boire du vin. Et nous allons manger du pain. C'est pourquoi nous ferons ça comme homme. Le repas du Seigneur qui se passe aujourd'hui dans les communautés chrétiennes est une ombre des choses à venir au troisième ciel. En réalité, en faisant le repas du Seigneur à la table, nous sommes en train de préfigurer l'œuvre, nous sommes en train de refléter l'œuvre de la croix et la mort, le corps de Jésus qui a été livré, le sang. Mais nous, en réalité, nous sommes en train de préfigurer, préfigurer l'œuvre du mariage de nos dans le troisième ciel. Donc nous serons au troisième ciel pour accomplir le service que les sacrificateurs allaient faire au nos saints. Eux, il y avait le pain là-bas, mais sans le vin. Mais au troisième ciel, nous aurons le pain et le vin. Et nous allons servir, nous allons exercer le travail du sanctuaire au lieu saint. Maintenant, quand l'Écriture dit qu'il n'a pas honte de les appeler frères et qu'il louera Dieu parmi l'assemblée des frères, en réalité, cette révélation est en train de refléter quoi? Ce qui va se passer dans le millénium. Au troisième ciel, nous irons pour manger à la table des noces. Est-ce que vous comprenez? Nous irons à la table de noces, nous serons glorifiés, nous allons manger avec le Seigneur. Et il nous donnera nos demeures. Mais nous allons rester demeurés avec lui dans les millénium. Donc c'est dans le millénium que nous allons faire quoi? C'est dans le millénium que nous allons adorer ensemble, le louer dans l'assemblée des saints d'une manière palpable. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, par là, nous voyons que Christ, de même qu'il s'est humilié, il a été élevé. Et de même qu'il s'est rendu, et il s'est rabaissé, il a été élevé. Donc, c'est ça le mystère du couronnement du Fils de l'homme. Donc, le mystère du couronnement du Fils de l'homme est lié à son rabaissement et à son humilité. De la même manière qu'il s'est abaissé, Dieu l'a élevé. En trois phases. Lors de la création, au commencement, il était le premier de toute la création qui a créé toute chose dans le monde. Il s'est rabaissé dans le monde, il a tout fait. Et quand il a fini tout, pas créé tout dans les sept jours, il a été élevé au troisième ciel. Et c'est au troisième ciel que Dieu va se dépouiller de sa gloire au troisième ciel pour venir dans le temps du salut. Et au temps du salut, il va devenir un simple homme. Il était un seul homme lorsqu'il rendait l'homme à l'image de Dieu. C'est ça le Christ homme n'ayant pas encore reçu le nom Jésus. Et les prophètes ont prophétisé sur ce nom qui doit venir. Mais les prophètes n'ont pas révélé ce nom. Parce que ce nom était toujours caché parce que le temps du salut n'est pas encore arrivé. Il a fallu que le temps du salut arrive en Israël et que Jésus-Christ apparaisse pour sauver son peuple de ses péchés. C'est là maintenant qu'il s'humilie encore en devenant encore un seul homme. Or, premièrement, au commencement à la création, il était un homme spirituel qui a créé tout et a créé des choses invisibles et des choses visibles, mais dans le temps, mais dans la visibilité, et a été glorifié au troisième ciel. Mais étant humilié dans le monde terrestre, il a opéré, il a mangé avec les hommes,
il a travaillé avec les hommes, il est devenu serviteur des hommes. Et pour le récompenser, à la fois, Dieu lui donne un trône, qui est la croix, et lui donne une couronne d'épines, en réalité qui est le symbolisme de la gloire dans la souffrance. Christ a reçu, Jésus-Christ, étant homme, a reçu la gloire de Dieu, même à la croix, qui est le couronnement à la tête, qui en réalité était la couronne d'épines, qui symbolisait la gloire qu'il a reçue en s'humiliant et en acceptant la mort de la croix. Après la mort de la croix, il est parti au septième ciel, il est descendu pour aller faire quoi? Pour aller chasser le diable, pour aller valider la vie éternelle, pour aller déceler le livre caché, le livre des sept sceaux scellés. Il a fini cela, nous garantissant des promesses éternelles. Il est descendu dans les régions infernales, les régions inférieures de la terre, en faisant quoi? En prêchant l'évangile aux morts. Alors souvent, les morts sont sortis. Étant morts, il les a transportés à nouveau dans les hauteurs. Ces hauteurs ne sont pas le troisième ciel, mais c'est en dessous du troisième ciel. Je viendrai dans un autre enseignement pour démystifier ce mystère. Maintenant, quand il a fait, il est encore à de nouveau venu sur la terre. D'abord avec un corps spirituel. C'est pourquoi, quand il a apparu à des disciples, ils pouvaient les toucher, mais avec ce corps spirituel. Mais eux ne pouvaient pas le voir. L'homme le voyait, mais ils ne pouvaient pas le toucher parce qu'il était avec un corps spirituel. Mais comme Dieu est omnipotent, de la même manière qu'il avait un corps spirituel, la création touchait les choses matérielles, il les a aussi touchées lorsqu'il a quitté les régions inférieures de la terre. Il y a un corps spirituel. Le touche. Voilà. Regardez, voilà. Ça, c'est quand il devait porter la gloire. Il a permis aux hommes de le toucher. Il les a enseignés pendant un temps. Quand il a fini les 40 jours après sa résurrection d'entre les morts, Christ a encore été glorifié pour être couronné. Donc il a reçu trois couronnes. D'abord, la couronne incorruptible dans le troisième ciel après la création. La couronne physique dans la matérialisation qui est la couronne d'épines à cause de la souffrance, de l'humilité dans la souffrance sur la terre pour la croix. Et la couronne incorruptible qu'il a encore reçue pour retourner à sa position au troisième ciel qu'il a quitté pour venir dans le monde pour autant de salut, pour le monde matériel et physique, pour le salut des hommes. Et nous disons par là que si nous ne sommes pas humbles, nos jours sont comptés. Car selon Esaïe 53, verset 10 à 11, c'est par l'unité de Jésus, selon la prophétie, que les jours de Jésus d'abord sont prolongés. Quand je parle des jours de Jésus, ce n'est pas les jours dans la chair, parce que Jésus avait trois jours sur la terre, trois ans sur la terre. 33 ans. Voilà. Oui, 33 ans sur la terre, 3 ans de ministère, selon ce que nous avons l'habitude de dire. Mais les jours qui sont prolongés, les jours de Jésus qui sont prolongés par son humilité, sont les temps des dispensations, commençant par le temps du salut jusqu'à la fin de tous les temps avant l'éternité. Par là, Jésus-Christ justifiera des hommes pendant cette dispensation jusqu'à la fin de tous les temps. Alors, il justifiera beaucoup d'hommes par son humilité. Pour que nous soyons sauvés, nous devons avoir les sentiments de Jésus, qui, premièrement, au commencement, avait été engendré, étant fille de Dieu. Mais voyant qu'un fille de Dieu ne suffit pas pour créer l'homme. Il s'est humilié, devenant homme, avant d'abord de créer homme, les hommes. Lui qui avait utilisé les agneaux physiques, voyant que les animaux ne peuvent jamais apporter la rançon, la justification aux hommes, la purification des péchés. Il va utiliser l'agneau comme modèle, le bélier qui va apparaître à Abraham, lorsqu'il voulait sacrifier son fils Isaac. Isaac va dire, où est l'agneau? Voici, nous sommes là sur l'autel, et il y a l'autel, nous sommes à la montagne. Où est l'agneau? Nous savons que c'est sur une montagne que Abraham devait sacrifier son fils. Où est l'agneau? Où est le bélier qu'il devait sacrifier? Voici, il y a l'autel. Où est le sacrifice? Il dit, Dieu, voilà. En réalité, Dieu avait pourvu physiquement avec un bélier. Mais ce n'était pas encore l'agneau sans tache, sans défaut, qui devait être sacrifié, qui était prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. C'est pourquoi la question de Isaac n'était pas en réalité répondue. Par les sacrifices de la loi de Moïse, cette question n'était pas répondue. Parce que cela n'était pas réservé à ce temps-là. Voilà. Maintenant, gloire à Jésus. Maintenant, par la grâce de Dieu,
Jean-Baptiste a répondu à ces questions dans Jean 1:29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau de Dieu était prédestiné, s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Amen. Et dans la croix, il s'est rendu semblable aux hommes. Il a souffert. La souffrance qui devait tomber sur nous, il a reçu. Et par cette humiliation, il a reçu une couronne. Quand même, ses ennemis pensaient l'humilier, mais l'ont encore donné une couronne de victoire à la croix pendant la souffrance. À la mort et à la résurrection de Jésus, Jésus n'est plus matériel. Mais quand il voulait entrer au ciel, au troisième ciel, à la droite de Dieu, il a porté un corps glorifié. Il a été couronné de gloire parce qu'il a été abaissé pour peu de temps. Et il a rempli toutes choses. Aujourd'hui, nous voyons Christ en esprit. Il est le Dieu de gloire. Et tous ceux qui vont aller au ciel doivent s'humilier. Tous ceux qui veulent être comme Jésus, veulent être en Christ, doivent avoir le sentiment de Jésus. L'abaissement et l'élévation. Il faut être abaissé avant de se lever. Sans l'humilité, personne n'ira au ciel. Alléluia. Nous devons être comme Christ pour avoir la couronne de gloire. Nous-mêmes, pour avoir la couronne au troisième ciel, lors de l'enlèvement de l'Église, nous devons nous humilier et savoir que sur terre, nous n'avons pas encore aucune couronne. Nous n'avons aucune couronne, mais nous travaillons à avoir notre couronne incorruptible. La même année que Christ, après avoir fait 40 jours sur la terre, nous, depuis que nous croyons en Jésus dans notre conversion, nous faisons 40 jours sur la terre, selon la révélation. Jusqu'à l'enlèvement, nous serons tous dans les 40 jours, en attendant la glorification. C'est pourquoi Jésus, dans les 40 jours, va dire aux disciples, je ne suis pas encore glorifié. Mais quand je serai glorifié, je vous donnerai le Saint-Esprit. Et effectivement, quand il a été glorifié, il a donné le Saint-Esprit. Et de la même manière que nous, nous serons glorifiés, nous serons couronnés de gloire au troisième ciel, dans le lycée, et nous descendrons à nouveau dans le millénium. Mais lorsque nous serons glorifiés, Dieu s'humiliera encore, Christ sera encore humble et enverra encore les messieurs de la grâce pendant la grande tribulation, où deux prophètes viendront par l'humilité réprendre Jésus-Christ pour sauver Israël et ceux qui s'approcheront de lui dans la grande tribulation. Donc, Christ s'est fait humble dans toutes les dispensations pour que les hommes soient sauvés. Dieu, la Bible dit que dans 2 Pierre 3, 9, quoi, la Bible dit que Dieu eut de patience. Ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour est proche, mais il faut que tu parviennes à la repentance. Donc il faut que, de la même manière que Christ a été brisé par le Père, nous devons être aussi brisés. Nous devons être 7 fois brisés. Quand on dit 7 fois brisés, nous devons être brisés parfaitement dans la perfection, dans l'unité. Tu n'es rien, je ne suis rien, lui n'est rien, nous ne sommes rien. Christ étant un seul homme, c'est lui qui est quelque chose. Et la Bible dit que ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Ce que nous sommes, c'est la couronne de gloire, c'est la glorification. Es-tu glorifié? Es-tu glorifié? Je ne suis pas encore glorifié. Mais je marche pour être glorifié. Mon esprit est dans les lieux célestes parce que j'ai été régénéré. Je peux m'avouer être régénéré, mais je ne suis pas encore glorifié. Pour être glorifié, je dois m'humilier. Plus je serai encore en train de m'humilier, je serai glorifié au jour du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. En réalité, l'apôtre Paul était déjà régénéré. Il a eu la souffrance du salut. Pourquoi il dit qu'il n'a pas encore remporté le prix? Ce n'est pas qu'il doutait de son salut. Il n'était pas encore glorifié. Parce que je ne suis pas encore glorifié, je dois demeurer encore humble. Plus je demeurerai humble, le Seigneur m'élèvera. Plus tu demeureras humble, Christ te fera porter chaque couronne liée à ton humilité. Donc l'humilité en réalité est un exercice pour tous les croyants parce que Christ a été humble. Si nous ne sommes pas humbles, pas du ciel. Si nous ne sommes pas humbles, nos jours sont comptés. Voilà, je vais passer aussi par la foi et le péché au début. Pour que tu le Seigneur, nous allons faire la foi. Humilié. Pour que le Seigneur s'est humilié. Et il a ses sentiments en lui quand il est remonté à la gloire de Dieu, à la gloire de la puissance de Dieu. Il s'est humilié encore, mais comment? En nous donnant le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous aidera vraiment à marcher dans l'humilité. Et l'humilité que le Saint-Esprit nous accorde aujourd'hui nous aidera vraiment à
et subir les souffrances, et même les moments, dans les moments de nos faiblesses, dans les moments forts, dans le moment que nous allons rencontrer, le Seigneur nous dit, si quelqu'un vraiment supporte et les douleurs dans les tentations, qu'il sera élevé. Donc, moi, je vois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous aidera vraiment à nous soumettre, à nous humilier. Donc, comme le docteur Saint disait, que l'humilité est l'exercice dans la vie de chaque chrétien et l'humilité dans la vie de chaque croyant. Aujourd'hui, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous disons, même dans l'explication, que nous ne pouvons rien par notre propre œuvre. Alors, il nous faut le Saint-Esprit. Mais nous, si nous disons que nous avons le Saint-Esprit et qu'en nous, on ne voit pas l'humilité, alors, vraiment, il a encore à faire. Gloire à Jésus. J'appuie encore le docteur Daniel pour dire que pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. C'est pour que nous ne puissions pas nous enfler. Voilà. Si tu n'avais pas le Saint-Esprit, tu penses qu'il fera tout par toi-même et tu ne seras jamais humble. Le Saint-Esprit qui est en nous-mêmes, c'est lui qui nous donne l'humilité. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous penserons être sauvés par nos propres œuvres. Mais là, quand le Saint-Esprit est en toi, il te montre que Dieu est en toi, qui t'aide, qui t'aidera. Pourvu que toi, tu demeures humble pour que le Saint-Esprit soit glorifié. Amen. Gloire à Jésus. Ministre, un dernier mot. Donc, en gros, l'humilité consiste à laisser le Saint-Esprit tout faire en nous, tout en sachant que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous élever. Par nous, par nos propres forces, nous ne pouvons pas être. Mais c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas Christ. C'est pour dire, si vraiment nous voulons être, nous espérons être élevés, si vraiment nous espérons être glorifiés, alors restons humbles. Dans le sens où nous devons laisser, c'est-à-dire le poids, le fardeau à Christ. Restons humbles dans le sens où c'est le Saint-Esprit fasse tout pour nous, fasse tout à nous. Alléluia. Donc ne comptons pas sur nos propres œuvres pour c'est-à-dire pour être sauf, pour prévoir être sauvé. Nous comptons pas sur nos propres œuvres pour arriver à la glorification. Non, mais le sont tout en Christ. La Bible dit que Christ vit en nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est le Christ qui vit en nous là, lui qui a déjà payé le prix, lui qui a déjà subi toutes les souffrances, lui qui a déjà tout fait. C'est lui en nous qui fait tout chose. Or, si ce qu'on compte sur nos propres œuvres, c'est que le Christ qui est en nous, on le fait tel. Or, nous devons laisser le Christ en nous agir, tout faire et nous abaisser. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est Christ. Pour accomplir les choses de la foi, j'ai besoin du Christ. Pour que Christ m'aide à accomplir les œuvres de la foi. Mes œuvres de foi sans Christ n'est que futilité, n'est que vêtements tachetés de sang. Alors que Christ, son vêtement est tacheté de sang pour que moi, je sois purifié. Donc, par la foi et l'œuvre de Christ, je reçois le vêtement purifié de Jésus. Amen. Et je reçois la robe sainte pour que, par l'œuvre de la foi, que Christ produit en moi, par mon humilité, je puisse avoir l'espoir de la gloire. C'est pourquoi le livre de Colossiens 1, verset dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, le modèle de l'humilité et l'espérance de la gloire. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, que de Dieu, que le Seigneur bénisse, nous sommes à la fin de notre dévoilement, de notre méditation. Voilà comment se passe une méditation. Nous avions médité sur le mystère du couronnement du Fils de l'homme selon les dispensations. Et en résumé, nous reconnaîtrons que l'unité est le flambeau, est le moyen par lequel nous pouvons atteindre la gloire. Amen. Christ s'est rendu humble, s'est rendu péché. Christ a participé à la chair des pécheurs pour être glorifié. Pour participer à la gloire. Amen. De la même manière, nous devons nous humilier pour atteindre la perfection. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous donnons rendez-vous pour les autres fois prochaines et nous allons encore décortiquer, démystifier, méditer en profondeur les Écritures. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, 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 Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Amen.